Et bonsoir les gens. Bonsoir à tous. Ouais, Pardon, il faut que je... répondez pas tous en même temps. C'est ça. En plus, surtout quand j'ai le live à côté et il y a un peu de décalage. Donc, voilà. pardon, j'aurais dû mettre ça à la voix avant. Bon, normalement, vous me voyez bien, hein, qu'on ne sort pas, Charlie. Ouais, par contre, t'as peut-être le... Alors, c'est bizarre, je t'entendais bien là. Peut-être que tu as le micro un peu loin. Attends, j'aime pas le rapprocher de ma bouche, j'augmente son niveau. C'est toi Donc, qui vois. comme ça, on n'est pas mieux. Ouais, Là, si. là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, moi, je connais un ingé son Ouais. que tu connais aussi, je pense, Je sais pas. qui m'a dit que c'était mieux de l'avoir prêt, en fait, parce que Mais. il y a une raison technique à ça, en fait. Alors, Oui, moi. c'est pas esthétique. Moi, Je te j'aime dis pas. ça, je te dis ça, je le fais pas non plus. On n'est pas à la Donc, radio, que je sache. oh, ça fait podcast. Ah, ben tiens, en parlant d'ingé Pardon. son, bonsoir, monsieur RGV. Ah, on parlait de toi, je crois. carrément. Donc, ouais. Donc bref, donc il confirmera, c'est mieux d'avoir le micro proche en fait parce que tu captes mieux la voix et tu prends mieux les graves aussi. Après, pas trop plus non plus, non, mais il va pas bouffer son micro, on est d'accord. Je le baisse un peu quand même. J'aime pas. Non, mais tu fais Et comme tu le sens. le pire, c'est ceux qui sont comme ça. Ouais, salut, bienvenue sur la chaîne des losers avec le micro qui ont le micro dans le nez. Non, Alors, non. toi, ce qui est bien avec celui-là, tu vois, c'est qu'il est vert. Donc du coup, en fait, si je mets le fond vert, on le voit plus. Ah, hey, regarde là-dedans. Hey. Mais moi, je m'en sers pas en fait là, pour l'instant. J'ai le casque ici. Enfin bon. Bon monsieur, alors, avant qu'on démarre, parce qu'on va pas se mentir, hein, on a parlé 2-3 minutes avant de démarrer le live. Je t'ai pas posé de questions sur ton événement. Semaine dernière C'est vrai, parce que tu voulais le faire en live, je sais. et exactement parce que ben, c'est intéressant, je pense que ça intéressera tout le monde et salut formaté, Ce qui nous intéresse, salut non? Xiliote, Et bonsoir, Formatsé. Bonsoir, Xiliot. Bonsoir, Natacha. Natacha, et attends parce qu'il nous dit si c'est un micro dynamique comme un Shure SM7 il Faut faut le coller à toujours la bouche mieux, qu'il voilà. ramène sa science. Allez, c'est Non, bon. mais il donne des conseils. Attends, il est Non, il donne satellite. pas des conseils, il ramène sa science, je te dis. Science. Viens le dire en live si tu as des trucs à dire. Toi, ça te rend aimable les conventions, toi. Non, mais il sait que je rigole. Il le sait, le coquin. On a Honnête. passé des moments formidables avec Redfield cette semaine. Ah, mais Ah, c'était. je veux bien te croire. Je veux bien te croire. J'avais pas pensé. Vas-y, je. Tu te dis qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah, comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, messieurs, dames? Allez-y. Dites-nous tout. Je sors ma casquette PGR. Oh! Regardez-moi ça. Là. Il y a une Ça. casquette PGR. Putain, avec Oui. des badges de partout. Avec des Ça, badges c'est pas de. si c'est pas la casquette de beauf par excellence. Et là, il y a 12 ans. Il y a 12, 14 ans de PGR, là, monsieur. Vous Bon. voyez? Ouais, non mais voilà. Je suis désolé, je vais te laisser faire l'intro hein, tout seul. J'entends que mon fils ça va se coucher. Donc je vais lui faire un bisou. Et puis je reviens tout de suite. Voilà. Ça va, ça va. En attendant, je vous montre mon badge. C'était le badge de la Corsica Games Week. Et oui, c'était le week-end dernier. D'ailleurs, je vais le remettre. Je vais le remettre. Je l'ai pas remis depuis la fin de ce festival. Ça me fait drôle. Parce que quand je portais ce badge, j'étais pas non plus le plus serein, on va dire. Hein, c'était beaucoup de pression. C'était énormément de pression. Mais bon, quand vous organisez un festival, évidemment, faut pas s'attendre à ce que ce soit que de la joie, que du bonheur. Non, pour arriver à quelque chose de beau, faut faire des efforts. Hein,
le bonheur, ça se mérite, on va dire. Pour revenir sur l'événement de façon globale, ça a été une réussite. Après, il y a eu plein de petits couacs, mais bon, je vais pas trop en parler. On en parlera certainement dimanche soir. Je vais faire un live et qui va commencer sur ma chaîne avec mais j'aime bien faire ma pub avec mes petits achats, les trucs habituels, les dons, les voilà et les discussions avec ceux qui voudront venir en live sur le live, comme je dis à chaque fois. Mais il y aura une deuxième partie sur une nouvelle chaîne qu'on est en train de lancer, une nouvelle chaîne YouTube qui s'appellera Corsica Games Week. Alors, pourquoi on l'a fait après le festival? Tout simplement, on n'a pas eu le temps de la faire avant, mais ce sera aussi l'occasion de garder un lien avec les intervenants de ce festival, parce que mine de rien, on a eu des intervenants de très, 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 très bonne qualité. Il y a eu une osmose, j'ai envie de dire, entre certainement tous les intervenants de la partie qu'on avait appelée la Gaming Factory, où on a fabriqué un jeu. Et là, ça c'était sûrement un des moments les plus extraordinaires. C'était magique. La Gaming Factory, ça a été vraiment un moment magique. Alors, avec Starlink, on a presque l'impression que tu es en 4K. Merci, merci. Voilà, je suis enfin arrivé dans le présent. On va pas dire que c'est le futur, on va dire qu'on est dans le présent. C'est vrai que j'avais toujours 10 ans de retard, 20 ans peut-être. J'étais toujours avec mon ADSL ou ma 4G dégueulasse. Et là, avec Starlink, et là, vous avez le boîtier qui est derrière moi, là, ça, là, hop, 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 ça, là, ce truc blanc, là. C'est le récepteur, émetteur, plutôt, Wi-Fi. Puisqu'en fait, le récepteur, l'antenne est sur le toit. Et oui, je suis avec Starlink. C'est ça, la grande nouveauté. C'est que j'ai profité d'une promo sur le site Starlink. Ils proposaient donc la parabole, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, une espèce d'antenne carrée qui scanne en fait le ciel et les différents satellites, parce qu'ils ont envoyé plus de 3000, non, enfin plus de 1000 en tout cas, plus de 1000 satellites en l'air pour nous faire pour nous envoyer les données. Et du coup voilà, du coup vous me voyez en 4K. C'est beau. Non, c'est de la HD, tout simplement. Mais je me suis mis en 1080. Je me suis dit, bon, allez. Alors, je ne l'ai jamais fait, donc pourquoi pas ce soir. Alors, je ne sais pas si c'est hyper fluide, mais ça, c'est plutôt dû à ma webcam, je pense. Je pense qu'elle était plus fluide en 720. Mais c'est pas grave, j'achèterai une autre webcam dès que j'ai les moyens. Là, j'ai déjà beaucoup investi quand même. Enfin, 220 balles, ce n'est pas si cher que ça pour le système. Et c'est 40 € par mois. C'est comme un forfait classique de fibre. Donc, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je trouve que c'est plutôt stable. C'est plutôt... ça me correspond. Alors, est-ce que je peux te donner un petit conseil technique par rapport au fait que tu es à 1080p? Actuellement, avec Rostream, on est en 720p parce qu'on est sur la version gratos. Du coup, 1080p se voit pas à l'écran. Mais enfin, tu as une meilleure source quand même. Tu la vois pas. Tu seras en 720p rétréci parce que ton image à l'écran ne prend pas 720p non plus. Donc, de toute façon, tu auras une qualité suffisante et tu garderas ta fluidité. Voilà, c'était pour le. Tu veux que je vienne en 720? Tu fais comme tu veux. Moi, c'est un conseil que je te donne. Je pense que ça sera plus fluide. Et on verra pas la différence. Vous préférez la netteté ou la fluidité? La netteté, on l'aura quand même. Tu testeras. Tu pourras tester. C'est pas. Moi, je pars du principe que du moment que la source est meilleure, le résultat sera meilleur. Même si on est rétréci. T'as testé ou pas?
Non, t'as pas testé? Alors là, je ne sais pas si je peux. Non, Alors, il là, faut que j'arrête peut-être la caméra. non, non, je crois que tu peux. Si tu le fais dans. Tu le fais dans. Dans les Dire. paramètres d'OBS, en fait, je le fais. Ah, t'es avec OBS là? Ah, ok. Ouais. Pardon. Et non, je ne peux pas tant que je suis. Alors attends, hein, j'arrête quelques secondes. Oui, pas de soucis. Paramètres. Excusez-nous, hein, on se touche à rien, Charlie qui dit. C'est pas moi, c'est lui, hein. Hop, appliquer. Ouais, ça change pas grand-chose au final. Alors, je vois que ça parlait de Ah, Star attends. Fox, j'ai dû rater un truc, mais. Ça change pas des masses. Je vais mettre, attends, Mais pour l'instant, t'es pas revenu, hein. débit d'image maximal. Non, ça change pas grand-chose. Non, t'es pas plus fluide? Non, je suis passé en 720 là. Est-ce D'accord. que c'est. Bah, écoute, vous, alors, dans le chat, dites-nous Est-ce si que c'est je suis mieux. fluide? En tout cas, en termes de qualité, on ne voit pas la différence. En tout Mais cas. en termes de fluidité, regardez, je suis fluide là. Non? Bon, j'en ai marre. Non, mais t'as le rythme dans la peau, c'est dommage. Là, on aurait eu l'offre payante. Paf, je lui aurais pu laisser une petite musique. C'est clair, Hein? c'est clair. Ouais, ou Hein? Jace, ou des trucs comme ça. Ouais. Bon, et Bon, t'as c'est pas parlé. grave. Est-ce que t'as commencé à parler un petit peu de ton festival, de tout ce qui s'est passé, tout Vite ça ou... teuf, vite teuf. Après, j'ai vite Alors moi, bifurqué sur Starlink. d'accord, oui, j'ai vraiment une question hein, moi, par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez fait un jeu? Un quiz. Oui, ça a été pour moi un des meilleurs moments parce que, bon, ça restait un moment difficile. Alors, heureusement qu'il y avait Kendo, Nabil Kendo. J'espère qu'il sera là dimanche sur le live s'il n'est pas trop occupé. Et Kendo a fait un travail, mais il a été mais exceptionnel. Parce que, en fait, j'étais parti pour co-animer avec lui. Et en fait, après, j'étais tellement souvent au téléphone pour régler des petits problèmes à la con que j'ai dû quitter le quiz par moment. Ou discuter avec des personnes, mon directeur, tout ça. C'était assez compliqué. Et j'étais pas serein, serein. Et lui, alors du coup, il a fait un show, mais c'était super. Il a vraiment assuré au moment du quiz. Kendo, je t'embrasse. Il a été excellent, excellentissime. Il a de suite compris le délire que c'était. Enfin voilà, il a pris la chose très, très à cœur et avec beaucoup d'humour. C'était bien, c'était bien. Il faisait pas que lire les questions, quoi. Il était là, il animait vraiment, quoi. Ça fait plaisir de voir des mecs comme ça et en plus qui ont une certaine il a une meilleure culture que moi hein, niveau jeux vidéo donc c'était quand même assez agréable. Alors, juste à l'instant, il nous dit, il y a J'ai oublié RGB le message. qui nous dit, je vais faire péter la Restream Pro. Mais on en avait parlé de faire à plusieurs, donc voilà. Donc, on en a parlé une fois avant de démarrer le live. Donc voilà, il faut qu'on en cause quoi, enfin, qu'on se cale et comment on fait et tout ça. Mais Lady Gaga, j'adore. J'ai cru que tu avais mis Lady Gaga. Oui, alors ce qui était bien pour ce quiz, on a fait deux équipes un peu mélangées, on va dire. Il y avait deux noobs, un noob de chaque côté, deux personnes du staff, j'ai envie de dire, de chaque côté. Et après, c'était des personnes du public que j'ai choisies de façon totalement arbitraire. Et du coup, ça a fait des. J'ai mis quand même un enfant dans chaque équipe, un adulte, et c'était génial. Franchement, même les enfants nous ont étonnés parfois, hein, parce que c'est eux qui ont donné les bonnes réponses. Et C'était bonsoir, vraiment salut. sympa. Et bonsoir, c'est Gnocchi. Mais j'espère vraiment. Bon, l'année prochaine, de toute façon, on va le refaire. On va essayer de vous trouver vraiment. Moyen de venir, on va dire, à moindre frais. Évidemment, ça aura un coût de toute façon, hein, que ce soit pour le logement ou le voyage. Mais on va essayer de faire marcher les partenariats, tout ça, pour que, voilà, que ce soit pas l'excuse pour ne pas venir. Tu vois ce que je veux dire? RGB le disait très bien. Il me disait, mais moi, tu sais, venir en Corse, ça me coûte moins cher que d'aller à Paris.
Bon, il vient du sud, hein. Il vient de Cannes, il vient de Nice. Bon, on sait que voilà, le coût d'un billet d'avion Nice-Corse, ça va être moins de 200 balles. Ça va être entre 150 et quelque chose comme ça, et 200 balles. D'ailleurs, il nous le dira combien ça lui a coûté. Après, bien sûr que voilà, la vie en Corse, ça a un coût. Hein, je subis ça toute l'année, hein, vous en faites pas. Et l'essence est chère, la bouffe est chère. Mais après, voilà, on s'est fait, c'est vrai, quelques restos. Hein. C'est vrai que ça fait. Mais c'était, franchement, RGB, ça valait le coup. Ça valait le coup. Bah non, mais ouais. Évidemment, moi, j'ai suivi un petit peu là, sur les réseaux, quelques trucs qui ont été postés, tout ça. Mais alors, je voulais juste dire, parce que tu as parlé du quiz, quand j'ai parlé du jeu, tout ça, mais moi, quand j'ai parlé du jeu, je voulais parler du jeu vidéo que vous avez fait tout au long de la semaine, en fait. Oui, parce que quand on dit j'ai fait un jeu, ça veut. Ah ouais, ça veut dire quoi? Tu l'as fini ou tu as fabriqué, tu vois? C'est là le truc. Eh bien, on a fabriqué. On a fait un jeu. On l'a fait. Oui, la piètre est bonne. On a fait un jeu sur 4 jours avec des ateliers créatifs de A à Z, c'est-à-dire de l'écriture en passant par le chara-design, les décors, le level design, le son très important, les bruitages, avec ce monument, ce Pierre Estève que j'avoue, je ne connaissais pas, il y a encore novembre dernier, je ne savais pas qui c'était, quoi. Et donc je me suis renseigné parce que voilà, on avait pris contact avec Patricia, qui est sa collègue, et du coup, ça a matché. Faut savoir que Pierre est venu gratuitement, gracieusement, comme tous les intervenants de cette Gaming Factory, ils ont tous accepté de jouer le jeu, de venir encadrer des jeunes, parfois des moins jeunes, mais essentiellement des jeunes. On était sur une moyenne sur les ateliers créatifs à peu près à 13 ans, on va dire. Alors sur la partie codage, programmation, il y avait peut-être une moyenne d'âge un peu plus haute, hein, on devait être plus 7 dans les 15 ans. Et voilà. Combien de participants en tout? Je pense qu'il y a dû bien y avoir une trentaine en tout de participants à la Gaming Factory, sans compter évidemment les intervenants. Vous comptez une petite dizaine d'intervenants. La Gaming Factory, ça représente grosso modo 40 personnes. 40 personnes qui ont créé un jeu. Ils se sont dit, allez, on tente le coup. Il a fait voilà, plein de BO, c'est vrai, comme le dit Twin Bureau. Dont Atlantis 1 et 2, hein, qui reste sa plus belle œuvre, hein, la série d'Atlantis. Donc, c'était pour... Les jeux étaient sortis chez Cryo, alors je lisais là. Je vais vous montrer ça. Oh, ça c'est des classiques, hein, les Atlantis, c'est... Alors, moi, j'ai pas joué, hein, boîte me dit quelque chose, parce que le... Oui, ça, j'ai déjà vu. Bon, je pense qu'on a tous vu plus ou moins un jour ce visuel-là. Attendez, je me permets. Yannos, je vais mettre un tout petit peu plus grand. Voilà, je fais comme à la maison pour que vous voyez. Mais tu es à la maison. Tu verras, le jour où je serai à la maison. Cache ton frigo. Hein. Et protège-le bien. Atlantis 2, donc. Et j'avais aussi celui-là en stock. C'est aussi Pierre Estève qui a fait la musique. Égypte 2. Bon, j'ai pas le 1. Mais voilà, il a fait aussi Versailles. Que sais-je, beaucoup de jeux historiques. Donc, tu as dit une bêtise, oui, RGB. Mais c'est pas grave, on t'en veut pas. Alors, on a l'habitude. On te pardonne. Donc, des moments magiques. Bon, on en reparlera avec les intervenants dimanche, mais moi, je retiens RGB. Mais viens en parler aussi, RGB, parce qu'on va dire que je suis un mytho. Oui, mais en plus, il arrête pas d'écrire dans le chat, là, alors c'est ouais, sympa. Voilà. Tu t'emmerdes ouais, à écrire, viens parler. Et si tu veux pas me voir, moi, je me casse, c'est pas grave. Moi, non, ou tu te mets juste en audio.
Mets-toi juste en audio, si c'est pas habillé. Si ça, c'est pas du troll de compétition. Voilà, la qualité de chez Charlie est ouf, on arrive à lire sur des boîtes de jeux. Ah, c'était pas le cas avant, hein. Vous arrêtiez pas de dire, hein, on voit rien, hein, on voit rien chez Charlie, hein. Alors là, hein, personne la ramène là, hein. Non, ça fait plaisir. Je suis pas visible. Qu'est-ce que ça veut Viens sans dire? caméra, prends pas la caméra, c'est pas grave. Et même si tu es invisible, même si, au moins qu'on t'entende, juste ta voix, qu'on t'entende. Tu sais quoi? Et tu sais quoi? Et tu mets ta caméra, tu la mets sur tes étagères, et comme ça, en dessous, tu mets l'homme invisible. Voilà, comme ça, on est plus Voilà, tu clair. mets ton fond vert en Voilà. image. Et puis c'est tout. Non, pour moi, il y a eu deux moments extraordinaires et j'ai bien fait d'y aller. Ce sont des moments qui n'étaient pas prévus. Le jeu se déroule, le jeu qu'on écrit, les enfants, se déroule dans la forêt de l'Hospedal. C'est une forêt qui est vraiment pas loin d'ici, qui est juste au-dessus de Portovesque. On y est en 20 minutes, mais bon, dans la partie où on est allé, il nous a fallu 30 minutes quand même pour y aller. Et on Coucou est allé chat. enregistrer les sons sur place. Est-ce que vous voyez le délire? Bonsoir, re-Eric, c'était vu tout à l'heure. Vous voyez le délire? Pierre Estève a proposé, ah, la forêt de l'Hospedal, il y a moyen d'y aller, on peut y aller. Ben, oui, parce que Pierre travaille, il a ses banques de sons. Hein, il a. Ah! Ouais, je te laisse à la manœuvre. Je le fais. Bah oui. Hop là! Attention! Bonsoir monsieur. Ah, il n'a pas son bon Alors, micro. ça a Ah, été mais de je suis en l'argent. pyjama, là, vous me prenez de court, là. Ah, il est en pyjama! Et Regardez, moquez-vous de lui! Montrez-le du doigt comme ça! tu l'aurais pas dit, on Ah! n'aurait pas su, hein. Franchement, t'as la Ouais. classe, même en pyjama. C'est ça. Franchement. Non mais vas-y, continue. Hein. Non mais je pense que je vais Alors, passer continuons. Alors, ben, les deux du temps moments de les Léo. plus extraordinaires du festival, Ouais. enfin en tout cas de la Gaming Factory, ben, je les ai passés aussi avec Redfield. Il était là. C'était quand on est allé à la forêt de l'Hospedal, enregistrer les sons. J'ai trouvé ce moment magique parce que c'était une vraie, véritable bouffée d'oxygène pendant ce rythme effréné de la Gaming Factory, puisqu'en 4 jours, produire un jeu, c'est pas évident. C'est beaucoup d'efforts. Et ils n'ont pas arrêté, que ce soit les gamins et surtout les développeurs, parce que les développeurs, dès qu'ils avaient les éléments, que ce soit son ou image, ils les intégraient au jeu de façon à avancer un petit peu dans la Dormir partie dans codage. le hotel, hein, ceux qui étaient sur les ordinateurs. Voilà. Ouais, c'est ce codec. Un Ouais. peu dans le même cas. C'est vrai que j'étais à 3-4 heures de sommeil en moyenne pendant tout le festival. Mais Bravo. il y a aussi un matin où j'ai pas hésité à me lever, hein, Vrai. Redfield. Moi, je me suis levé Et à 6h, toi à 5h30, je crois. Hein. ouais, 5h30, le temps de vous rejoindre. En fait, on a décidé, enfin, c'est l'idée de Pierre. Hein. Pierre s'est dit, on va enregistrer des oiseaux parce qu'il n'y en avait pas Il beaucoup à l'hospital. nous a pas trop laissé le choix. En même Hein. temps, oui, mais enfin, il m'a laissé le choix de venir ou pas, tu vois. Il m'a Mais dit, c'était mais cool. si tu Ouais. viens, c'est bien, mais si tu veux pas venir, on se débrouille. Ouais. J'ai dit, non, 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 je veux vous accompagner, je veux être là, je voulais vivre ce moment avec vous. Je voulais absolument pas que vous le fassiez Expliquer un sans moi. peu géographiquement où ça se situe, où on est allé tôt le matin et ce qu'on a fait. Alors, on est allé pas loin du port, aux anciens marais salants qui sont à l'abandon. Où il y a toute une faune et une flore qui s'est installée depuis que Voilà, il ce y a n'est des plus flamants exploité. roses, il y a plein d'oiseaux, tout ça. Alors, il y a des flamants roses, ouais, qui sont là la moitié de l'année, plein de toutes sortes d'oiseaux que je ne connais même pas, hein, des trucs. Des routes autour, malheureusement. On a été un peu Et plus ça, fort, alors, on c'est a pour ça qu'on attaqué y est allé le l'affaire. matin. Ouais. On s'est dit, le matin, on aura moins de nuisances de la ville. Parce qu'on reste pas loin de la ville, hein. Elle est à vue. Hein. Quand vous êtes au Marais Salant, vous voyez la ville. Mais pas Philippe, hein, Peut-être la voir, mais ville de Portovesque. pas grand-chose à dire. Voilà, personne n'a noté mon jeu de mots pourri. Tant mieux. Et Philippe, la ville. Y avait la ville pas loin. Ok, bon. C'était cool. J'y vais. Ah, ça Non, mérite des numéros avant.
Attends, redonne-moi ma place, s'il te plaît. J'ai essayé, mais... Oh, oh, tête, arrête de toucher, hein. Putain, chiant, lui. Tu mourras. Et donc, un moment irréel aussi, encore, c'était justement la prise de son des oiseaux à côté des marais salants. Alors, dans la partie qu'on appelle les dunes, on a pu avoir des corneilles et d'autres oiseaux intéressants, des pivers aussi, hein, qui tapaient, on les entendait. Incroyable, incroyable. J'ai kiffé. J'ai franchement kiffé ce moment. Mais le pire, c'est que ce sont des oiseaux que j'avais déjà entendus parce que j'y vais souvent dans les marais salants. Oh, quelque quoi, quelque quoi qu'est-ce ? C'est une bande. Ah ! Ça, c'est une partie de chemin que vous voyez pas, pas du tout. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on aimerait voir chez toi, ah, tu sais. Pas toi. Ouais, non, je baisse pas. Le pantalon, je le baisse quand on n'est plus en live. À la PGR, ça va être chaud. Hein. Non, et voilà, donc ces moments de prise de son, ben voilà, c'est ça, c'est le travail de Pierre Estève. C'est un dingue. C'est voilà, on fait du jeu. Là, on faisait pas du jeu vidéo à ce moment-là. À ce moment-là, on vivait un moment magique, quoi. On capturait des sons de nature. Mm-hmm. Mais, ouais, mais c'est là où je t'ai appelé. Bonsoir Nico. C'est là où je t'ai appelé. C'est la fois où je t'ai appelé, que j'étais à la gare. Quand tu m'as appelé. Quand je t'ai appelé, tu m'as dit on va au mont machin. Au marais salant. Ah, peut-être. Je sais même oh, plus. Tu l'as pas appelé à 7h du matin quand même. Non, mais c'était un soir. Non, c'était 14-15h, un truc comme ça. En hôtel à la forêt peut-être. Oui, on était dans la voiture, je suis con, oui, c'est vrai. On était dans la voiture pour aller enregistrer des sons. Exact, exact. Oui, non, parce qu'on avait aussi discuté un soir dans la nuit où j'arrivais pas à dormir. Oui, c'est vrai. Tu m'avais un peu accompagné. Ça, je l'ai dit à personne, mais c'est vrai, on a dû discuter une bonne heure avec Yanoche. Ah, c'était vendredi dernier. Ça devait être vendredi, ouais. Je pense que c'était l'appréhension du samedi qui m'empêchait de m'endormir. Et j'avais raison d'avoir de l'appréhension. Parce qu'effectivement, le samedi matin, la porte était fermée à l'heure où j'avais demandé qu'elle soit ouverte. Et vous imaginez pas la dose de stress que j'ai eue à ce moment-là. Mais grave, hein. J'ai rarement eu. Hein. On devait arriver... moi, je suis arrivé vers 8h30. Un truc comme ça. Et tout le monde était devant. Et lui, il se disait, ah, c'est bien ça. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On m'attendait? On m'attendait pas. Mais si, parce qu'il est arrivé 5-10 minutes après que je sois arrivé. Donc, en fait, plutôt 10 minutes. Hein. Je pense qu'il a ouvert plus à 8h40 qu'à 8h30. Hein. Il devait ouvrir à quelle heure à la base? 8h. 8h. D'accord. Bon, c'était un couac. Allez, on va dire qu'il a eu la mauvaise info. Voilà, on va s'en sortir comme ça, parce qu'après, on va dire Charlie, tu as dit du mal sur le web. C'est pas bien. Je dis du mal parce qu'on quelque part, on m'a fait du mal hein, aussi. Hein, avec. c'est clair et net, on était à la limite du sabotage, quoi. On parle d'un festival, on organise un festival, on se dit en plus, on va faire vite, on a 2 heures pour installer, il va falloir faire vite, on n'avait plus qu'une heure. On n'avait plus qu'une heure pour installer les stands. Un truc de malade. Le programme commençait à 10h, la première conférence est commencée de suite. Alors la conférence a été décalée d'à peu près une heure. Les stands, on a ouvert même si les stands n'étaient pas prêts. Heureusement que c'était pas l'euphorie à l'ouverture à 10h, il n'y avait pas tant de visiteurs que ça, on les a laissés rentrer tout en leur expliquant que voilà, on est encore en mise en place, tout ça. Oh, ça leur posait pas de problème, de toute façon c'est gratuit et on rembourse pas. Hein, donc voilà. Et puis le premier stand qui était prêt, ils y sont allés, et puis ils ont discuté, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Il y a des stands qui étaient prêts en 10 minutes, hein. Des stands, il n'y avait pas grand chose. Il y a des stands, il fallait bien une heure d'install, quoi. Mais c'est ça qui est beau, c'est que voilà, il y avait. Non, mais c'est compliqué parce que tu rentres dans un endroit que tu connais pas. Et puis il y a pas que la partie cinémathèque. Il y a aussi la salle de spectacle où on a fait les conférences. C'est il ça. Il y avait le cinéma où on a eu un petit problème technique aussi au niveau du son. Problème de son, ouais. Voilà. Bon, ça, c'était un problème technique. Il a fallu y aller la veille pour tout checker et pour commencer à installer. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et, mais le problème, c'est que la veille, on était déjà sur le festival avait déjà commencé. Bon, après, tout ça, c'est des erreurs qu'il faut analyser et voir comment on peut les éviter, hein, à la prochaine édition. C'est ma faute. Et moi, en fait, j'ai voulu faire quelque chose de dense. Non, mais c'est compliqué Avec de l'histoire. faire deux trucs en fait en un, quoi. De faire d'abord la semaine où tu crées un jeu et un week-end où tu fais une convention. C'est casse-gueule. Mais bon, ça C'est. va, c'était un exercice un peu d'équilibriste et on n'est pas tombé, quoi. Mais c'était une répétition pour l'année prochaine. C'est ce que j'ai pas arrêté de dire. Là, on est en pleine répétition pour la prochaine édition. Par contre, j'avais une question. J'ai vu sur le net. Je crois que c'est toi qui parlais, tu disais que c'était la deuxième. Et j'ai raté la première, c'était. Je me souviens pas. Tu te souviens pas qu'on avait fait une Corsica Games Week l'année dernière? Non, je m'en souviens pas, je du Bon, tout. c'était plus court, c'était sur 3 jours. Là, on est passé à 6. Mais D'accord. C'est peut-être ah ça ouais. qui m'a. Ouais, je m'en Non, souvenais pas. ben c'était la fois où on avait fait venir Doug. C'était le seul invité du continent. Oui, ça a Bah été. oui, Oui, c'est vrai. Et Ça Doug m'enlevait qui nous a fait des vraiment soucis avec Doug. l'amabilité de revenir cette année, hein, juste le week-end parce qu'il a travaillé jusqu'au vendredi soir. Comme ça. Et on a pu la voir samedi dimanche, c'était exceptionnel. On a passé des super moments avec lui aussi. Le président de MO5 aussi. Non, il est MO5 aussi. Ben justement, Doug l'a remplacé en quelque sorte, puisque la veille, le vendredi, c'était Philippe Dubois qui nous quittait. Malheureusement, il avait son avion à 6 h. Et donc voilà, c'était un petit passage éclair, hein, pour Philippe Dubois, qui n'est resté même pas 3 jours, en fait, 2 jours et demi, on va dire. Mais Philippe a été formidable quand même. Voilà, il nous a quand même donné de beaux espoirs, de faire évoluer déjà notre festival, mais aussi la Gaming Factory. Et je sais qu'il va nous aider à faire la promotion du jeu qui a été créé par les enfants, mais là, je ne peux pas trop en parler parce qu'il n'y a rien de fait. Mais enfin, il va nous aider pour la promotion, grosso modo. Je peux pas en dire plus. J'ai pas envie d'engager non plus des choses, ouais, qui ont été dites pendant le festival et qui ne vont pas se faire. Après, on va dire, ouais, Charlie, t'es un mytho. Oui, je suis un mytho. Mais bon, je voudrais pas mettre Philippe en porte-à-faux en disant que lui aussi est un mytho, tu vois. Donc, j'assume ma mythomanie. Il n'y a pas de problème. Non, non, non. Je vous jure, c'est vrai. Il va faire beaucoup. Il va faire beaucoup pour nous aider. Philippe, je t'embrasse. Je ne sais pas si tu regardes, mais bon, j'ai hâte de voir la suite, en fait. J'ai hâte d'assister. On te fait revenir de suite, RGB? Oui. Attends, je fais un truc. Est-ce que ça fait un peu mieux la qualité? Tu te mets en 16-9. Voilà. Et donc, Philippe Dubois, et bon, les autres invités aussi étaient très bien, hein. On avait Rémi Baudin pour le développement, hein. Rémi Baudin qui est un ami, qui travaille depuis un moment dans le jeu vidéo, il a aussi été professeur. Douglas était super sympa, je ne le connaissais pas, oui bien sûr qu'il est sympa, et c'est un ancien élève de Douglas d'ailleurs, Rémi. Donc, Je sais pas. ah oui, il a, en fait, il a fait plusieurs écoles. Il n'a pas toujours eu les diplômes, mais il s'est accroché et il est même devenu prof. Il a été prof chez Créajeux. D'accord. Et là, actuellement, il travaille chez Eva. J'espère qu'il sera là pour en parler dimanche, mais il développe des jeux VR pour de l'e-sport en VR. Hein, vous savez, vous les voyez toujours dans les Japan Expo, les Paris Games Week. Ils mettent à chaque fois une grande arène avec des gens qui se font du laser game, mais en VR, quoi. Ah bah oui, Eva, oui, je vais essayer, je vois ce que. Eva. Il y en a un à côté de chez moi. Non. Enfin à côté, ouais, il y en a un à Reims. C'est vrai? Ah oui, Ouais. parce qu'il y en a plusieurs dans toute la France, effectivement. Il y a plusieurs Ouais. arènes. Et j'ai pas eu encore l'occasion de tester ça. Mais Ah. j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'y aller, quoi. Bah, moi non plus, j'ai jamais testé, mais quand je regarde ce que ça donne, ça a l'air kiffant, quoi. Mais à Ah ouais. chaque fois, à Paris Games Week, en fait, à Paris Games Week, ce sont des compétitions officielles à laquelle on assiste. C'est parfois même des phases finales, donc c'est des trucs importants. On peut pas s'inscrire, on peut pas faire la queue et jouer.
J'avais dire, suivant comment vous arrivez, on peut peut-être essayer de faire de toi. On en Oh. reparle. On en reparle. Ouais, on en parle plus. Ouais. C'est pas très loin, logistiquement parlant, c'est pas Ah très ouais, loin. peut-être un prépare de chambre, hein, puisqu'on va dormir chez toi en arrivant, en allant en Belgique, Yanoch. Ouais, et remplis le frigo. Il faut vous rappeler les dates par contre, mais pas de soucis. On va se caler tout ça, t'inquiète. Du 23 au 20. Non, toi, t'as 23. Le 24-25. Du 24 au. La nuit du 24. D'accord, ça marche. On va Ah pas ouais. te louper, mon pote. J'espère bien. J'espère bien. T'as pas le choix. Oui, après les autres invités, il faut que j'en parle absolument. Damien Vezan, putain, merde, à chaque fois j'oublie. Vezan. 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 Vezan, en fait. qui était un mec formidable, enfin qui est toujours, je pense, même Il si est toujours, ouais. il est pas mort depuis, hein, donc Non, je ne pense pas. Non, il est présent sur les réseaux. Le mec travaille depuis 12 ans chez Ubisoft. C'est vraiment une patte. Vraiment, vraiment très très gentil. Il a été d'une patience. Voilà, Rémi a totalement confiance en lui. Ils ont déjà travaillé ensemble quelque temps. Et c'est vrai qu'on sentait quand ils se parlaient, je comprenais rien à ce qu'ils disaient. Je comprenais rien, mais c'était trop beau à voir. Ouais. Du langage de codeur, quoi. Ouais, mais si tu penses que je peux faire du plus, moins, moins, ah ouais, non, mais fais du plus 300, parce que sinon, tu rajoutes le XZV57, ça marchera pas. Ouais, je crois que tu as raison. Oui. Ok, les gars, je vous laisse, hein, parce que. Non, mais toujours de bonne humeur, alors que je sais qu'il dormait très peu, Damien. Il avait toujours la banane, c'était vraiment sympa à voir. Et il y avait le Benjamin de l'équipe, hein, le petit Armand, hein, qui lui par contre ne connaissait personne dans l'équipe. Le Lui, petit, il s'appelait Benjamin ou il s'appelait Mais un mot? il a remplacé quelqu'un d'autre au pied levé, il me semble. Hein. C'est exactement ça. En fait, à l'origine, avant même Rémi Baudin, j'avais déjà pris contact avec quelqu'un que j'avais vu au dernier Japan Expo. Yannick, hein, qui je passe le bonjour, et j'ai aucun souci avec lui parce qu'il s'est excusé, il m'a expliqué un petit peu, voilà, qu'il y avait des changements dans sa vie et qu'il s'était pas vraiment engagé. Il m'avait dit oui, je suis prêt à t'aider. Hein, c'est un ami de Doug, donc je me dis bon, si c'est un ami de Doug, ça va le faire. Et pendant un moment, il est resté silencieux. J'avais plus de nouvelles. Je dis putain, il va me lâcher. Il va me lâcher. Et puis il s'est excusé. Voilà, putain, merde. Par contre, il me dit, j'ai quelqu'un, par contre, si tu veux, j'ai quelqu'un qui bosse avec moi, qui a bossé sur deux jeux déjà avec moi. Et donc, il s'appelle Armand et tout. Est-ce que tu veux bien rentrer en contact avec lui? Et je lui dis, bah, qui m'appelle? Qui m'appelle? Et je dis, on verra, je garantis rien. Et je me suis, tu vois, c'est pas que j'étais froid, mais je me suis, franchement, dans ma tête, Armand, il venait pas. Franchement. Donc, Armand m'appelle. Il se présente tout poliment et tout, ouais, tout ça et tout. Alors je lui demande, t'as déjà encadré des gamins? Parce que je savais qu'il était jeune. Tu vois. Il me fait, ouais, un peu quand même. Moi, ça me dérange pas. Je dis, bon, on te mettra si jamais quelqu'un avec toi, si tu n'es pas à l'aise. Bon, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tout ça. Enfin, je vais passer le casting, normal. Hein. Et je lui dis, bon. Tu sais quoi, je lui dis, je vais pas prendre la décision moi, parce que j'avais déjà recruté entre-temps Rémi et Marine, sa compagne, hein, qui nous faisait la coordination. Un super boulot, Marine. Sans elle, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas Ah oui. été possibles cette semaine. On a besoin d'un pitbull comme ça. On a besoin. Oh, t'es méchant. Oh putain, je vais le répéter. J'ai juste dit que c'était un pitbull. Ça peut être très gentil, un pitbull. Si tu passes bien. Ouais. Non, mais t'inquiète Yeah. pas, dimanche, on va lui répéter. Hein. J'en étais sûr. Mais toujours quelqu'un pour me mettre dans la merde. Il y a toujours. Il y Mais aura toujours. bien sûr. J'en attendais pas moins de ta part. Voilà, avec plaisir. Je sais bien. Ça a été le plaisir de tout le monde, hein, de m'emmerder avec des petits problèmes, des trucs. Ouais, Charlie, ouais, mon lacet qui est défait, limite, hein. Ouais, beaucoup de babysitting, c'est pas faux.
Ouais, voilà. C'est normal, hein. Ils n'ont pas de référent. En fait, les gens, enfin, tous ceux qui sont venus ne se connaissent pas forcément. Donc, ils ne connaissent que moi parce que c'est moi qui leur ai dit de venir. Donc, ils se disent, bon, on va lui demander à lui. Donc voilà. Donc, je me tapais les moindres problèmes. Hein. Où est-ce qu'on peut trouver des verres pour boire? Ils t'ont pas demandé des verres pour pêcher, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Oh, le coca. Alors, j'ai pensé à toi, Yanoche, tout à l'heure. Oui. J'ai goûté une confiture de châtaigne. Voilà, la Mario Brass, vous la voulez? Vous la voulez, la bière du festival? Joli. Avec le petit nuage en haut là, c'est joli. Ah, t'as, oui, t'as bien vu, hein. Cuvée spéciale Corsica Games Week, seconde édition. Città di Portivesme. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Je suis vraiment fier de ça. Ça, c'est mieux que la Gaming Factory, ça. Et dis-le à Marine, elle va être contente. Non, ça a été exceptionnel. Surtout que moi je lui ai demandé au microbrasseur, je lui avais suggéré comme ça, mais je me suis dit jamais il va accepter, tu vois. Je lui ai dit, ça ne te dirait pas de faire une bière pour un événement et tout. Et il m'a dit de suite, oui, à fond, à fond. Et il a déjà l'idée d'en faire une pour l'année prochaine. Alors, je vais vous donner une info exclusive qu'on n'a pas donnée à grand monde. Alors, je ne sais pas si on voit. Putain. Si j'ai mis le bien devant, ça, voilà. Il y a Voilà. marqué 6,4 degrés. Vous savez pourquoi? Il m'a 4, dit. 60. Il l'a fait en hommage à la Nintendo 64, exactement. C'est dingue, hein? Le petit détail, voilà. Ça, c'est le détail Ah, qui fait. c'est le détail Alors, qui fait la différence. tu sais ce qu'il te reste à faire, Yann, hein, maintenant, il va falloir faire le champagne PGR. Oh! Le champagne PGR, ça va être compliqué. Hein. Mais non. Attends, j'ai Non, même pas. non, par contre, j'ai dit, j'amènerai quelques bouteilles d'une cuvée en fait d'un producteur qui est dans mon village. Ah, le champagne. Ouais, alors c'est justement, c'est assez marrant. C'est pas vendu sous ça n'a pas l'appellation de champagne parce que ces vignes en fait elles sont, je crois, 300 mètres plus trop loin. Oh, C'est un tour d'un genre. Donc, ouais. mais C'est il, du plat mais c'est, champagne. mais il est pas dégueu et voilà. Donc je pense que j'amènerai une petite caisse pour la PGR. Pour Voilà, la les bière, le VIP. champagne, l'idiote, elle est parfaite, apparemment. Ah, Ziliot. Je pensais pas qu'elle picolait comme ça, Xylotte. Je la voyais plus sage, Ah, tu mais vois. si tu veux, il y aura du champagne, hein, Ziliot. Pas à volonté, mais il y en aura. Ouais. Parce que, Ok. je vous ai pas dit, mais Xylotte, certainement que quand je ferai la vidéo pour annoncer l'ouverture des inscriptions PGR, je passerai la vidéo. Mais Xylotte, en fait, elle nous a fait une chanson. Elle a une chanson pour la PGR. Ah! Mais c'est-à-dire, je parle bien, elle va chanter pendant Elle la chante, pêche. elle chante. C'est fait déjà. Ah, c'est enregistré. C'est enregistré, c'est déjà là. Elle va pas nous faire un live. Ah non, non, on ne fera pas un Et live. est-ce que c'est cette chanson qui va illustrer le clip qu'on va tourner? Alors, pas du tout. Pas du Ah, tout. d'accord. Non, non, pas du tout. On est, c'est pas, ça peut, alors, pour le Ça clip colle qu'on va pas. tourner, non, ça ne coûtera pas. D'accord. Ça peut pas aller. Bah, je peux dire, en fait, le clip, il est avec la petite sirène. Tu vois. Voilà. C'est la petite sirène qui veut aller à la PGR, pour faire court. D'accord. Ok. Je spoil un peu, mais. Bon, nous, on n'a pas eu la chanson du festival, on a eu la bière, mais on a eu quand même un concert du festival. Ça a été un moment sympa aussi, avec des chansons, non pas des chansons de jeux vidéo, mais des chansons geek. Alors, c'est un groupe qui s'appelle Cafcom. Ouais. C'était Community of Arcade Player, je crois, quelque chose comme ça. Community Arcade Player,
F comme Fred. C, c'était qui C? Claude, eh oui, Claude, le guitariste. O comme Olivia, la chanteuse. Bassiste. Et M, le batteur. Donc Cafcom, ils ont créé le groupe Cafcom. Avec, ils ont refait le logo et tout qui apparaissait donc derrière eux sur l'écran. Mais tout Et a nous été ont. tourné, hein, ne vous inquiétez pas, j'étais là. Ah, donc il y a des images. Donc c'est Moi, cool je parce que cherche les des chansons étaient images. vraiment sympas. La playlist était vraiment bien choisie. Et je n'en dirai pas plus, comme ça vous obligera à regarder la vidéo de Redfield. Voilà, ben voilà, très bon teaser. Bravo, mon pote. Je peux être bon hein, en teasing des fois aussi. Ouais, j'avoue. J'avoue. Ah, mais il a filmé beaucoup de choses, Redfield. Hein. Je ne sais pas combien d'heures, mais c'est exceptionnel. Oh, juste 500 gigas de rush. 600, 800, pardon. 600, Oh my 600 god. gigas. Donc, Bon, tu vas maintenant. poster ça bientôt sur ta chaîne, de toute façon. Petit à Oui, petit. bientôt, bientôt, bientôt. C'est relatif, mais oui, bientôt, bien sûr. Après, il y a aussi les conférences hein, que tu as filmées. Tout. T'as pas celle des noobs. Oh! La seule où j'étais. Ah. J'en étais Écoute, on sûr. peut pas être au four et au moulin en même temps, hein, tu le sais très bien. Non, je sais Et très bien, mais je l'avais. ils t'ont On a toujours pas enregistré dit 10 minutes. ils t'ont pas dit ils t'ont toujours pas dit ou t'étais planqué dans le jeu? Ah non, bon, ils m'ont garanti que j'y étais, hein, mais voilà. Et aucune preuve, quoi. La garantie orale, ça va bien un petit moment, mais là, ça va faire presque 2 ans que le jeu sorti. Je vais me frapper le jeu rien que pour ça quoi. Et t'imagines, tu ne me trouves pas? Ou alors, Bah, chez un easter egg. si t'es dedans, je vais te trouver. Hein. Va Je falloir le placer. m'étais même dit, je vais regarder si on peut pas fouiller dans les fichiers du jeu avant. Tu vois? Waouh. Bon, ça se fait, hein. Ça se fait. En plus, sur Steam, il est vraiment pas cher en ce moment. Je crois qu'il est à 14 euros. Hein, pour ceux que ça intéresse. Donc, le jeu Noob, qui vient de sortir d'ailleurs en version japonaise, au Japon. Version. Voilà. Ouais. Grâce à Microids. Et j'en profite pour remercier Microids, parce que bon, hein, même si on se moque d'eux à chaque fois que j'en parle, mais Microids a fait un geste. Franchement, c'est les seuls, alors que j'en ai contacté du monde hein, pour avoir des cadeaux, des lots, des trucs comme ça, c'est les seuls qui ont offert quelque chose avec Géant Casino, en Porto-Vecchio, que je remercie aussi, ils nous ont offert des bons d'achat. Mais des cadeaux physiques, ouais, il n'y a que Microids qui l'a fait. Et pourtant, j'ai contacté beaucoup plus de boîtes que l'année dernière, notamment des boîtes locales. Je ne dirai pas qui, pour pas voilà, me les mettre sur le dos pour les prochaines éditions. Mais les gars, si je vous recontacte, je sais qu'ils ne regardent pas la vidéo, hein, je leur dirai dimanche, il y a plus de chances qu'ils regardent ma vidéo de dimanche. Les partenaires, ne loupez pas la prochaine. Parce que là, on a franchi un palier avec cette deuxième édition. Mais la troisième, je pense qu'on va franchir 3 paliers d'un coup. Franchement, là, je pèse mes mots. Là, déjà, avec en voyant comment l'équipe maintenant veut s'investir dans la nouvelle édition, je n'ai aucun doute que ça va être du feu de Dieu, quoi. Ça va être du tonnerre. Et puis tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut me décharger de beaucoup de travail. Ah, il faut un assistant, un vrai assistant. Hein. On est d'accord. Enfin, il te faut un assistant et il faut un assistant à Marine. Voilà. Déjà, D'accord. ces deux trucs-là, ce serait Loïc. 50% de charge en Salut moins, quoi. Loïc. Bonsoir Loïc. Salut Écoute, Loïc. Loïc, je veux bien. Oh, motion capture. Ah, mais oui, mais c'est toi qui m'as envoyé des trucs sur Discord. Je fais le lien maintenant. Ah, c'est cool alors. Ok, oui, on se recontacte et s'il y a moyen de te faire venir, on te fera venir. Mais c'est vrai que le côté motion capture, ça peut être très sympa aussi. Ça peut être très sympa à vivre. Voilà, je mets une option. Je ne dis pas que j'accepte, je mets une option. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter dans ce festival. J'ai des gens qui m'ont rappelé hein, au lendemain du festival en me disant Ah, super cette convention, j'ai lu dans la presse, machin, tout ça. Donc, mine de rien, la presse a quand même servi au moins à faire circuler l'info, même ils ont fait circuler quelques conneries aussi. Mais au moins, les gens étaient au courant voilà, qu'il se passait quand même un gros festival, enfin, gros à l'échelle corse, hein, attention. On n'est pas sur une PGW, on est d'accord.
Mais pas moins magique, en tout cas, qu'une PGW. Hein, parce qu'il y a des moments, justement, uniques du fait de l'échelle humaine, hein, parce que ça reste à l'échelle d'une PGR, hein, j'ai envie de dire. Il y a peut-être un peu plus de monde qu'à une PGR, parce que voilà, parce qu'on s'étale, machin, tout ça. Mais ça reste, voilà, si on a envie de parler à tout le monde, il y a moyen de parler à tout le monde, si on se donne un petit peu la peine d'aller voir tous les intervenants. En fait, si on compte le staff bénévole, organisateur et exposant et invité, en tout et pour tout, on a fait 70 badges. Déjà, donc, un staff de 70, grosso modo, hein, voilà, de 70 personnes. On s'est tous retrouvés le samedi, d'ailleurs, au camping Pitrère pour une réception organisée par mes soins et avec les frères Michel au barbecue, à la cheminée, Ah, ils ont souffert, hein. pour nous faire du figatelli. Ben, en fait, les frères Michel, c'est eux qui ont tenu le stand de bière. C'est eux qui ont créé la bière du festival. J'adore leur maman. Ouais. Et du coup, ils ont passé la soirée au fourneau, j'ai envie de dire. Ils étaient grillés comme les merguez à la fin. Ils étaient. Ah, mais il y a beaucoup de monde qui était capoute à ce moment-là, mais ça a été quand même un petit moment de détente sympa. Hein. C'était ouais, c'était cool. C'était vraiment une soirée très cool. Donc, j'ai trouvé une salle de resto pour accueillir un petit peu tout le monde. Un resto qui est fermé en cette période. Donc, ils nous ont laissé le frigo, les meubles et surtout la cheminée. Ça, c'était fantastique. Parce que voilà, ça nous a permis de faire des merguez et du figatelle. Ça, Mais moi, c'était la mon surprise. meilleur souvenir, c'était les deux restaurants à Casa Corsa, quand même. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est allé à Casa Corse bon, à la demande générale. Charlie, trouve-nous un restaurant, spécialité corse, tout ça. Ben, on va chez Casa Corse, c'est le seul qui est ouvert, de toute façon, en ce moment. Ben, il n'y avait pas beaucoup de restos ouverts à cette période. Il faut bien comprendre qu'on est en pleine saison morte, hein, à Porto-Vec, c'est le. Non, on est encore, c'est comme si c'était au plein cœur de l'hiver, tout est fermé, les boutiques, il n'y a rien. Voilà, et les restos et les bars, pareil, quoi. Bien sûr, tout va ouvrir petit à petit vers les vacances de Pâques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'autant le festival, on va peut-être le faire un petit peu plus tard dans l'année. De façon déjà à ce qu'on ait une meilleure météo aussi, qu'on puisse profiter un petit peu plus des journées rallongées, de façon à pouvoir faire peut-être une réception pendant qu'il fait encore jour, quoi, pour le soir, quoi. Même si c'était magique quand même la soirée à Pitrère, moi j'ai bien aimé l'ambiance. Mais Mais en fait, vous avez pas arrêté de bouffer pendant tout le truc, quoi. alors Moi, j'ai pris 3 kilos, hein, le pour festival l'instant. tournait autour de la bouffe, ouais. C'était un des thèmes du festival. J'avoue, il n'y a pas un jour où on parlait pas de bouffe. Ouais, bon, c'est normal, hein, quand on a des bons mangeurs. Il y avait Julien Gellerin, hein, au Mégazel. Lui, c'est un viandard, c'est un fan de barbecue, de bonne bouffe. Donc, C'est sympa, lui, j'ai un peu discuté avec lui, il est rigolo. il est excellent, il est excellentissime. J'ai vu qu'ils avaient même discuté avec Pierre-Estève pendant 1 heure au moins. Ah ouais? Ah non, mais c'est un gars bien, hein. Franchement, lui. Il va m'amener certains partenariats très, très, très intéressants. Il connaît beaucoup de monde, mine de rien, dans le milieu de l'e-sport, notamment. Alors lui, il travaille pour Iconic, hein, c'est une boîte qui édite des jeux, enfin, qui développe, hein, des jeux VR. Donc, ils nous ont présenté un de leurs jeux, qui est toujours en phase de construction, de fabrication, là, donc ils sont en phase de, on va dire, débugage. Mais le jeu est parfait, hein. Moi j'ai essayé, j'ai pu y jouer que 3 minutes, mais il est très très bon. C'est King Pong, King Pong. C'est franchement excellent. C'est un jeu où on ne perd jamais. C'est du ping-pong, mais la balle va toujours toucher la table. En gros, il n'y a pas moyen de se louper, mais il y a des petites zones sur la table qu'il faut essayer de viser, par contre. Et ça, c'est marrant.
Et après, il y a l'option. Dès que l'option apparaît, il faut appuyer sur la gâchette de la manette du MetaQuest et la balle prend feu ou alors elle devient. Elle a un pouvoir en plus, quoi. Elle devient hyper rapide. Ah, mais il y avait plein de trucs le vendredi soir. Il y avait un gros podcast qui a duré 1 heure. Oh oui. Alors ça, c'était une partie intéressante aussi, les podcasts qui ont été animés par Game Lovers 2B. Donc c'est une équipe de podcasteurs qui sont de Calvi, donc ils sont venus de loin, c'est 3 heures de route, hein, Calvi quand même. Et ils ont mené de main de maître deux podcasts très intéressants sur la production de jeux vidéo en Corse, en présence voilà, de quelques personnes qui font du jeu vidéo en Corse, dont Fabien Marianne. Et d'autres qui étaient là, qui font pas forcément du jeu vidéo en Corse, mais qui ont donné des pistes, hein, comment aider au développement d'un studio, parce que du coup, Fabien Marianne, il fait partie d'un studio qui essaye de se monter, enfin, qui existe, hein, mais qui n'a pas encore sorti de jeu en Corse. Donc, ce serait, dès qu'ils sortent leur premier jeu, ce sera le premier studio officiellement de jeux vidéo en Corse à avoir sorti un jeu vidéo. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. On leur met pas plus de pression que ça parce que voilà, ils n'ont pas de date à nous donner pour la sortie de leurs deux premiers jeux parce qu'il y en a deux en parallèle. Un vieux projet Winterfall qui a dû commencer il y a 6 ans, hein, mais qui peine à sortir le bout de son nez. Bon, je pense que ça mettra moins de temps que Paprium quand même à sortir. Oh, petit tac, le bien en règle. Non, je rigole. Non, mais on verra. Je veux pas mettre de pression plus que ça. Mais ils ont un autre jeu en préparation et peut-être qu'il sortira avant. On verra. Donc la rencontre avec Phoenix Block 3, donc le premier studio de jeux vidéo en Corse aussi, ça a été génial. Hein, je passe le bonjour à Lydian aussi qui a été vraiment très très sympa, enfin voilà, très content lui aussi de ce festival parce que mine de rien, ça a donné un petit coup de boost à tout ce microcosme. Alors, tu le sais peut-être pas, mais j'ai aussi interviewé les éditions Piumaliner. Ah, oh, merci, merci, je les adore. Oh, je vais dire ça de tout le monde, hein, évidemment, je les adore. J'espère que tu m'adores aussi, hein. Non, à part toi, Ah ouais, bon, merci, non, ça non, va. à part toi. Et Mais moi aussi, il va me saquer, mais il ne dit pas parce qu'il est sur la chaîne, là. ouais, voilà, je veux pas être viré, j'en profite pour faire ma pub, je le dirai après. Non, les éditions Pumaginaire, donc qui étaient venus faire un stand, ils ont tenu un stand bon, déjà le vendredi à côté des Noobs, c'était très cool. Donc, eux font des bouquins, c'est la première maison d'édition corse spécialisée dans l'Heroic Fantasy et la SF. Donc, ils en sont à leur premier livre. Je crois qu'ils en ont sorti 4, 5 pour l'instant, pas plus. Et ils éditent aussi un magazine Geek Culture qui en est à son troisième numéro. Et le troisième numéro était consacré exclusivement aux jeux vidéo. D'ailleurs, je vais essayer de vous le trouver. Pas J'ai dans quand même. celui-là que tu as écrit un article aussi. Pardon? C'est pas dans ça que tu as écrit un article. Oh, mais monsieur est au courant? Bah oui, je suis quand même un peu. C'est bien, tu suis. Effectivement, j'ai écrit un petit article sur le rétro gaming. Et ben voilà, regardez, je vous envoie le lien. Tac, tac. Alors, autant il va être avec le nom de Yanoche, hein, non? Ouais, enfin, host. Je sais pas si vous le voyez. Ça va passer avec mon nom, Ouais, c'est pas c'est grave. le nom de Yanoche, ouais, qui est sorti, ouais. Mais voilà, c'est comme c'était moi qui l'avais posté, en fait, hein. Donc, ce sont des magazines qui sont malheureusement en format PDF pour l'instant. Mais ils souhaiteraient évidemment à l'avenir faire une édition papier. Mais c'est tellement. Ben, c'est une question de coût, hein. Tellement cher, c'est tellement aléatoire. Ils ne peuvent pas savoir combien de numéros ils vont vendre, combien de numéros ils peuvent faire. Ouais, ce n'est pas une maison d'édition qui a des moyens encore énormes. Mais il faut les soutenir parce que je sens que c'est une. C'est une équipe qui a de l'avenir, quoi. Là, le magazine est très pertinent, vous allez voir. Les articles sont intéressants. Alors, ça reste un point de vue corse, hein, évidemment, hein. Donc, c'est que des rédacteurs, on va dire corse, hein, qui font les articles. Voilà. Donc, ça ramène toujours à ce point de vue, voilà, Noustral, notre point de vue à nous, quoi.
Et il pose évidemment des problématiques voilà, dont on a parlé pendant tout le long du festival. Et ce sont des gens très agréables en plus. Donc, pour ne rien gâcher, là, je passe le bonjour à Axel en particulier parce que c'est celui avec qui j'ai traité pour les faire venir, leur offrir ce stand-là et voilà, pour les encourager. Encourager, c'est énorme ce qu'ils font. Ils font pas du jeu vidéo, je suis d'accord, mais on reste dans un univers qui n'est pas incompatible. Voilà. Eux, ils sont à fond, voilà, SF, Heroic Fantasy, tout ça. Et en plus, c'était le thème du jeu vidéo qu'on a fait. C'est un jeu d'Heroic Fantasy un petit peu, voilà, qui se passe dans le passé. Le jeu, si vous voulez tout savoir, il va s'appeler Iricord Idyllus Pedal. Donc, c'est les souvenirs de l'Hospedal. C'est un jeu qui sera en Corse. Donc, ça a été le thème imposé, la Corse. Et je pense que vous allez bientôt en entendre parler. Bon, déjà, on va essayer de faire un article dans le prochain Geekultur et dans tous les médias où on va pouvoir le faire. Puisque les médias ont un petit peu snobé, malheureusement, la Gaming Factory, où on a produit enfin, le jeu est en train d'être produit, hein. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini. On a un petit peu sous-estimé la masse de travail que ça allait demander. Moi, on m'avait dit, hein, mais Charlie, en 4 jours, jamais tu fais un jeu. Je dis, on va essayer. J'ai dit, on va essayer. J'en ai parlé avec Rémi. Il me dit, il y a moyen. Il m'a dit, il y a moyen. En fait, les gamins, on ne peut pas leur reprocher ça. On pensait à des petites mécaniques de jeu qui sont, voilà, qui sont pas faciles, forcément à mettre en place. Donc, on n'est pas sur du platformer tout simple où il faut exploser des blocs. Hein. Je ne critique pas des jeux déjà existants. Mais voilà, je ne peux pas trop dévoiler de choses. Donc, vous verrez. Vous verrez pourquoi ça a pris un peu plus de temps que faire un jeu sur Scratch. Il y a eu d'ailleurs un atelier Scratch hein, qui s'est super bien passé avec notre ami Jean-Pascal, qui a mis Jean-Pascal, je l'adore, qui a mis une ambiance terrible. Bonsoir Eric. Salut. Jean-Pascal, qui est un ami de longue date, ça fait plus de 20 ans hein, que je le connais. On était à la fac ensemble. On s'était un petit peu perdu de vue, c'est vrai. C'est vrai. Mais quand on s'est retrouvé, le temps n'était pas passé. On était toujours dans le même délire. Non, non, il n'a pas changé. Jean-Pascal n'a pas changé. Et ça me fait plaisir de le retrouver hein, malgré la distance, parce qu'il est de Calvi lui aussi, donc on n'a pas l'occasion de se voir souvent, mais la magie de Discord fait que là, on discute quasiment tous les jours ensemble. C'est un super pote, c'est un super mec, et en plus, il est compétent, il est... Enfin voilà, il est génial, il est génial, génial, je ne peux pas en dire plus. Jean-Pascal, je l'embrasse, je l'adore, comme tous ceux que je vais citer ce soir, bien sûr. Moi, écoutez-moi. À part Redfield. Ah, bien sûr. Qui j'ai oublié dans l'équipe? Bon, Patricia, hein, qui nous a beaucoup aidé hein, et notamment sur la partie doublage, parce qu'on a enregistré des dialogues. Alors, Aline aussi a beaucoup participé pour notamment la prononciation corse, hein, parce que évidemment, Patricia. N'étant pas corse, attention, il y a le moustique là, bordel de merde, il est parti. Je vais niquer Sarah, si tu vas voir. Donc Aline n'a pas fait que ça. Hein. Aline a fait beaucoup de choses aussi sur le festival, mais le temps que j'énumère tout, Aline, vous pouvez être sûr que dans le prochain festival, je lui donne un rôle, mais alors, voilà quoi. Elle gère d'une façon, mais extraordinaire, alors qu'elle avait ses 2 enfants sur le festival en plus, quoi. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui ne perd jamais son sang-froid. Aline a été vraiment formidable et qui trouve toujours des solutions à tous les petits problèmes. Bon, des fois, je me reposais sur elle, c'est vrai, mais je me suis rendu compte que je pouvais vraiment me reposer sur elle. J'osais pas trop au début, mais maintenant, c'est bon. Tant pis pour elle, hein. Mais elle va avoir beaucoup plus de responsabilités sur le prochain festival, c'est sûr. J'arrive un peu tardivement, mais quelqu'un peut me faire un résumé
en avant-première de la Corsica Games Week. Il faudra voir le replay. Sinon, tu viens dimanche sur mon live. Je fais un peu de pub. Je commencerai à en parler. Et je parlerai aussi de la nouvelle chaîne qu'on est en train de lancer, la chaîne Corsica Games Week, où il y aura un autre live. En fait, on va faire un raid de ma chaîne jusqu'à cette chaîne. Et vous découvrirez une bonne partie, enfin une partie en tout cas de l'équipe de cette Corsica Games Week, en particulier la partie créative, donc la Gaming Factory. Donc, ils sont tous super motivés. J'embrasse notamment Jean-René. Jean-René, qui est notre illustrateur local, qui a fait un travail formidable avec les gamins. Allez, je vais dévoiler un petit truc. Les personnages et les décors ont été peints en aquarelle. Ça va être assez original comme ambiance. Et il a fait déjà la jaquette aussi en aquarelle. Ça va passer un petit peu au jeu Amiga, quelque part. Il y avait des trucs qui ressemblaient un peu à ça, en fait. Ouais. Oui, bah après, ça peut rappeler Dordogne, je crois qu'il y a un jeu qui est... Mais là, les décors étaient très animés. Dordogne, ça reste quand même très, très, beaucoup plus évolué que ce qu'on va proposer, nous. Hein. Mais on va dire, dans l'idée, voilà, c'est d'avoir de... un décor différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux vidéo. Ça restera des dessins d'enfants. Il faudra être très indulgent quand même. Il faut bien se dire, c'est encadré par des pros, ok. Mais ça reste vraiment des créations d'enfants. Et ils ont même enregistré les voix. Alors parfois, il y a des petits problèmes d'élocution, tout ça sur la langue corse. Mais pareil, il y aura un disclaimer de toute façon au début du jeu qui expliquera que ce jeu a été réalisé par des enfants et qu'il faut pardonner les petites erreurs. Bien sûr que ce ne sera pas un jeu parfait parce que voilà, ça reste un projet amateur entre guillemets. Le but, c'était quand même à ces enfants de leur montrer comment se fabrique un jeu vidéo, quels sont les métiers qu'il y a derrière, hein, parce que bon, le jeu vidéo, on sait tous ce que c'est, mais on ne sait pas tous forcément comment c'est fait, hein. C'est comme tout, hein. c'est comme la bière, hein. On sait la boire, mais on ne sait pas toujours comment c'est fait. Je dis ça comme ça. Mais non, voilà, c'était franchement, la Gaming Factory, c'était vraiment le temps fort et très original de ce festival. Je pense que c'est pas... Alors, j'invente rien. Hein. Je sais que les Game Jams, ça existe depuis des années. 48 heures pour faire un jeu. Mais en général, ceux qui font des Game Jams sont des gens expérimentés. Ce sont des gens qui sont déjà professionnels dans un domaine graphique ou autre, codage, tout ça. Mais c'est rarement des débutants qui n'ont jamais fait un jeu vidéo. Ils sont pas là sur une Game Jam pour découvrir les métiers du jeu vidéo, du tout. Là, le but de la Gaming Factory, c'est ça. C'est découvrir les métiers du jeu vidéo avec des gens qui font du jeu vidéo. Après, Jean-René ou Amal, qui s'était chargé du scénario avec les enfants, ne sont pas des professionnels du jeu vidéo, mais ça reste des métiers compatibles. Voilà. Amal, qui écrit hein, des bouquins, qui est fan de manga, qui anime des ateliers d'écriture régulièrement à la médiathèque où je travaille, ou des ateliers manga, elle fait des clubs de lecture manga, enfin, elle est très active dans notre médiathèque aussi, et elle a accepté de participer pour la deuxième fois hein, à la Corsica Games Week, mais cette fois-ci, voilà, elle avait un poids énorme sur les épaules, parce que de son scénario, enfin du scénario qu'elle allait créer avec les enfants, allait découler tout le reste. Personnages qu'il fallait dessiner le lendemain, les sons qui vont être enregistrés, les doublages, puisqu'elle a écrit aussi les dialogues avec les enfants. Donc voilà, si à la base on n'a pas un bon projet qui a été écrit le premier jour, et bien évidemment le jeu risque d'être... C'est la partie que j'ai pas pu enregistrer parce que j'étais pas encore là. Voilà, ne me mets pas la pression, je vais te donner les images. J'ai rien dit. Oh, t'as rien dit, mais tu l'as pensé. Tu en tires les conclusions que tu veux. Tu l'as pensé, à vous. À vous. Mais bonsoir, cousin Hubert. Oh, salut. Salut, cousin. Salut, cousin Hubert. Faites pas dodo. Ouais, alors, bah, on va pas parler. Moi, je suis en train de m'endormir, je vous avoue. Pas que vous m'embêtez, hein, mais... Ah oui, non, il est saupoudré. Non, je déconne.
Mais j'arrête. Comme le mec qui fait l'offusqué, quoi. Mais j'arrête. Non, bon, allez, j'en parle encore 5 minutes du festival. Après, on passe sur un autre sujet si vous voulez. Non, mais c'est pas pour ça que je dis ça. Vraiment, c'est vraiment que je suis fatigué en fait. Non, mais parce que de toute façon, dimanche, voilà, on va en reparler tout ça. En plus, avec les invités, donc ça va être génial. Parce qu'ils auront aussi leur point de vue, leurs anecdotes, hein, que je n'ai pas forcément. Mais moi, je vous donne les miennes, hein, voilà, de ce que j'ai vécu pour ma part. Moi, je les ai laissés travailler hein, dans les ateliers. Ils étaient libres. Comme je le répète toujours, je n'ai mis aucune pression à personne. Oui, on peut dire que tu te tournais les pouces hein, pendant deux heures. Il a tout dû, par contre. Putain, tu fermes ta gueule. Tu l'as cherché, celle-là. S'il y en avait qui se roulaient les pouces, c'était pas moi. Il y en avait hein, qui se roulaient les pouces. J'aurais dû prendre des photos. On dira pas qui. Non, je ne veux pas me mettre en... En même temps, tu étais encore ça, donc bon. Ouh là là. Aïe, bim. Non, mais je trouvais qu'on s'endormait un petit peu, là. Je me dis, on va mettre un peu d'ambiance, ouais. On va réveiller voilà, tout le monde. Un peu de fight. Ok, très bien. Je suis vexé, je m'en vais. Non, je rigole. Après, pour... Bon, allez, pour parler... Alors, qui j'ai oublié de citer dans la Gaming Factory avant que je me fasse engueuler ? Stéphane, aide-moi. Bah, toi, qui as été quand même très actif. Même... Bon, au départ, il était là que pour enregistrer, que pour... Enfin, c'est un gros boulot, déjà, enregistrer en vidéo, hein, ces ateliers. Voilà. Et puis, il s'est retrouvé, malgré lui, à devenir l'ingé son de Pierre-Estève. Ouais, j'ai donné un petit coup de main, Pierre. On va dire ça. Eh, grand coup de main. Arrête de te... Non, c'est un grand coup de main que tu as donné. Un petit coup de main. Un grand coup de main, je te dis. Tu veux un grand coup de pied ? J'ai fait ce que j'ai pu. Tu as fait ce que tu as pu et tu l'as bien fait parce que je n'avais pas le matos. J'ai cherché pourtant. Je vous le dis, j'ai retourné ma chambre pour retrouver... mes vieux micros, tout ça, impossible de remettre la main dessus. Et maintenant, tu sais, j'ai réfléchi, je sais où c'est. Je sais où j'ai. Oui, je sais où est ma perche, je sais où est mon micro-canon, un grand micro-canon de plus de 50 cm, un truc de stade, quoi. Ouais. Et je sais où il est. Je l'ai passé au théâtre, ils ne m'ont pas rendu. Ah. Et ouais, parce qu'ils font des fois des ateliers vidéo là-bas. Et j'ai repensé après, mais putain. Et ben, je me revois le mec du théâtre me dire mais si jamais il y a ton matos, ça, s'il y a besoin. Et je dis j'ai arrêté les tournages, tu sais. Ah oui, et je me revois, tu vois, putain, quel con, j'ai retourné ma chambre pour rien, quoi. On, et là, j'ai toujours pas rendu. On pourra en avoir besoin encore. C'est ça. Mais tu vois, pour moi, c'était un peu derrière. T'as pas parlé de Anouk qui nous a fait de très bons cafés. Anouk, c'est clair, un bon café. Anouk sait faire un bon café. Et Anouk, elle fait aussi des bons gâteaux. Anouk va vous chercher des produits improbables, des cafés. Elle va aller chercher plus loin que Jacques Vabre. Hein. C'est des trucs de malade, des trucs du Pérou, je ne sais pas trop quoi. Là. Non, en fait, il faut que tu cites tous les bénévoles. Il y avait JB, oula. JB, il a fait un truc. Bah, mais JB, est-ce que j'ai besoin de Jibs? Ouais, je parle, moi, c'est Gibbs qui parle hein, en même temps. Hein. C'est Gibbs, c'est mon bras droit, c'est mes deux bras, c'est mon bras droit et mon bras gauche. Mais de toute façon, je vais oublier quelqu'un et il va être vexé. Ça, c'est sûr. Le président de l'association de Corse. Si quelqu'un a oublié qu'il aille voir le live de dimanche, ne vous inquiétez pas, il va parler de tout. Il a fait une liste. Alors, Pierre Vincent à la com, hein, ouais. Qui a fait un gros boulot. Ça a été extraordinaire parce que je n'aurais pas pu le faire moi-même. Même s'il n'avait pas évidemment toutes les libertés, mais on a pu faire quand même une com sympa. Bon, il y a eu des petits loupés. Voilà, bon, il ne faut pas lui en vouloir. C'est des choses qu'on va améliorer à l'avenir. Quoi. Mais c'est vrai que la communication était un petit peu tardive. Et après, il y avait tellement de choses à annoncer qu'on ne savait plus où donner de la tête. Il nous restait très peu de temps pour annoncer certains événements qui se passaient sur le festival. Donc voilà, il y a des moments sur le festival où ça a flotté un petit peu, où il y avait un petit peu moins de monde par moment, mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Comme je vous ai dit... pas les membres aussi de l'association Sud Corse Retro Gaming. Hein, c'était une répétition. Voilà. Alors, le président, Daniel Nicolai, qui a été là aussi avec nous tout le week-end.
Alora Deza, qui est souvent sur mon chat d'ailleurs, qui je passe le bonjour et que j'embrasse, qui a géré le côté technique, on va dire, tout ce qui est télé, ordinateur, branchement, électricité, réseau, enfin voilà, la merde quoi. il a géré la merde et il a assuré. Il était très bon. Et pour lui, c'était assez compliqué parce qu'il est quasiment resté enfermé dans le même coin, comme ouais. Un bon geek, hein, comme un très bon geek. Ouais. Il n'a pas bougé des postes et il fallait, hein, parce qu'il y avait de la surveillance à faire. Il fallait, moi, les gamins, le dimanche soir, ils ne voulaient pas quitter les PC. Ah non. J'ai fait quitter la partie. Tout le monde a fait « Oh non !» Mais c'est dingue, je vous jure que sur la LAN, alors ce sont des PC XP. Dans 5 minutes, et j'ai pas fait exprès en fait, j'ai fait quitter. Je pensais que ça allait quitter que le poste qui était vacant, mais ça a quitté tout le jeu pour tout le monde. Bon, c'est pas grave, s'en fout. Il fallait bien finir à un moment donné. Hein. Voilà, c'est ça. Non, parce que en fait. Il faut que les enfants, ils sentent un peu ils ressentent un peu de frustration quand même. Hein. Pour revenir la prochaine fois en se disant « Ah, il y aura encore des jeux en réseau. » Alors, Daniel nous avait fait une bonne petite sélection de jeux en réseau. J'ai oublié les noms. Hein. Je crois qu'il y avait du Quake, du Counter et des trucs comme ça. Et en fait, ça n'a pas des amplis. Il y avait tout le temps du monde sur la LAN party. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et un poste libère, ah, ben, y en a un autre qui arrive. Et même quand ils étaient que 3 ou 4, ça faisait des parties endiablées. C'était génial. C'était génial. Le concept... a toujours fonctionné. À chaque fois qu'on a mis une LAN, je vous promets, hein, ça marche tout le temps. Et même si c'est sur du Windows XP avec des vieux jeux. C'est ça qui est dingue. Mais la LAN, c'est l'interaction entre les gens. C'est ce que je veux dire. C'est ça. Et en plus, ils sont à côté de toi. C'est fou. Mais tu pourrais te dire, ouais, mais oh, ils sont tellement habitués à jouer à Fortnite, des trucs chacun chez eux. Et ça, c'est chacun chez eux. Ouais. C'est ça le truc, c'est pas pareil. Hein. Alors que... Et ça marche. Cette façon de jouer ne doit pas disparaître et on doit à chaque fois. Moi, je mets un point d'honneur à chaque fois, chaque grosse manifestation qu'on va faire, il nous faut une LAN. Voilà. Ouais. C'est... Tu prends tu vois, à la PGR, j'embraye un petit peu du coup. Ouais. Mais tu vois, à la PGR, il y a souvent Yannick qui ramenait ses GameCube pour faire un Mario Kart. Tu vois, il y a toujours du monde dessus. Ouais. Quand on avait fait un stand, je me souviens aussi avec des Xbox, on avait mis notamment du Outrun. Mais pareil, les gens jouaient en réseau, quoi. Parce que mais la dimension de jouer ensemble, mais physiquement, quoi. Tu vois. Et un seul truc, moi je me souviens d'un moment où on s'est engrainé à 4 sur un Virtua Tennis 2, sur Dreamcast, donc on n'était même plus en LAN. On était juste à multi à 4. Et c'est parti en se tire la bourre comme des salopios. On a dû, on a dû jouer peut-être 2 heures d'affilée. Ah, mais c'est dingue. En pleine PGR, quoi. Tu vois, mais et tu vois, et cette façon de jouer qui disparaît hein, petit à petit, malheureusement. Ça devrait pas. Alors heureusement que la Switch fait encore de la résistance et on peut encore avoir des jeux très intéressants à 4 ou plus en local en jouant sur un même écran avec une Switch. Mais voilà, Xbox, PlayStation, ils sont plus trop dans ce délire-là, quoi. C'est online, c'est du online pour tout le monde. C'est dommage, mais bon. Tellement de boulot d'organiser une convention. Jamais, à titre personnel, je n'en organiserai une. Hein. Mais tu nous aideras. Ouais, je veux bien donner des coups de main, mais je veux juste, pas être organisateur. Merci. J'en attendais pas moins de ta part. Ouais, mais il a raison. Hein. Alors, moi, si je me suis retrouvé à organiser et maintenant co-organiser les PGR, c'est un événement qui a fait que voilà, ça a failli s'arrêter et que je voulais pas que ça s'arrête. Et c'est juste ça qu'il a fallu ça pour que j'ai dit, bon, allez, je donne un coup de main. Mais, c'est bien. Quand on est co-organisé, bon. Bon, à la limite, pourquoi pas, mais tout seul, non. Non, mais tout seul, il faut pas le faire. Je veux dire, j'ai parlé de toi, Darkest, il a pété un boulard aussi. Oui, bah, j'ai vu qu'il avait pris un petit peu de recul à un moment donné par rapport à ça. À être tout seul, il ne peut pas, quoi. C'est pas possible. Tu t'exploses. Alors que, tu vois, là, depuis 2000, c'est la troisième, là. Donc, il y a 3 ans, je l'ai fait tout seul. C'était la fois où il était pas là. Encore quand j'étais tout seul, il a quand même été là en fait, en fond. Toujours dans l'ombre. Ouais, exactement. Et toi, on l'a fait ensemble l'année dernière, ça s'est alors comme ça.
Et tu vois, cette année, c'est pareil, on est quasi prêt, quoi. Et on est 2 mois avant l'événement. Voilà. Et, non, mais le truc, c'est que pendant les conventions, il y a toujours quelqu'un qui te demande une connerie, un câble. Oui, mais tu vois, mais. C'est vrai. Où est-ce que je peux me brancher, patati. Nous, on a un avantage pour, par rapport à Charlie, c'est que tous les gens qui sont là, tu vois, la PGR, elle a quelques années déjà. Mm-hmm. Donc, tous les gens qui sont là, en fait, c'est des gens qu'on connaît. Donc, ils ne vont pas c'est forcément. Combien de thèmes cette année, là ? Si tu comptes pas, enfin, hormis l'année que tu as du Covid où il n'y en a pas eu, c'est la combien de temps ? La première, c'était en 2006, donc ça fait 18 ans. Waouh ! Si je comprends bien. Waouh ! Ouais. Dans 2 ans, en fait, les 20 ans, ça va être quelque chose quand même. 2026, les 20 ans, quoi. Génial ! Donc, bon, mais il y en a eu l'année du Covid, 2020, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Ouais, mais on dira, ouais, on ne compte pas la 20e. Ça fait 20 ans qu'elle existe quand même, donc bon, ça reste. Parce que, côté de ça, il y en a eu des plus petites divers qu'on a fait de temps en temps avec des raclettes. Et donc, bon, si on les compte, il y en a eu plus que ça finalement. Et ouais, ça fait 20 ans que ça existe. Et, et donc, ouais, les gens qui sont là, tu vois, ils savent. Tu vois, on les connaît. Donc, ils ne vont pas forcément me voir que moi ou machin. Ils savent se débrouiller. Tu vois, c'est. Oui, et puis ils ont toujours un petit peu de matos, ils sont assez autonomes. C'est ça. Alors après, tu l'as vu, de toute façon, quand j'étais là, j'ai pas mal couru quand même, hein, pour le coup. Mais si tu regardes, bon, ok, moi j'ai couru, j'ai fait des trucs, mais tu regardes les autres, en fait, aussi. Tu vois, et s'ils n'avaient pas été là, et surtout s'ils n'avaient pas été autonomes, c'est l'explosion assurée, quoi. Donc voilà, mais ça va se caler. Tu vas avoir des gens qui vont revenir, toi qui étais là cette année, qui reviendront l'année prochaine, et donc du coup, ils auront déjà l'expérience de la première. Et tu vas sentir que ça. C'est vrai qu'il faut avoir du stock de tout genre de câbles. Non, ça, plus, alors... c'était la première année que ça se passait à la Cinémathèque l'année dernière. Oui, c'était à l'anime ou là. À l'anime uniquement, et puis que je connais par cœur, je connais tous les recoins, tout le matos, le moindre câble, je le trouve les yeux fermés. Et là, en fait, à la Cinémathèque, enfin à l'espace Jean-Paul de Rocazer, où avait lieu le festival le week-end pour la partie la plus festive avec tous les stands, tous les invités, tout ça, j'ai perdu mes repères. Je travaillais là-bas avant, mais comme il y a eu des travaux, tout a bougé ou disparu, ou des choses ont été jetées, tout ça. Et quand on m'a demandé un câble VGA, mes bras sont tombés. Ah oui, ça me fait penser, t'as oublié de citer Fanny, l'ingé son, à qui on a bouffé les Kinder Fanny, Bueno. Mais bien sûr. Mais Fanny, quand on cite l'espace Jean-Paul de Rocazer, c'est comme si on citait Fanny. Tu pourras lui acheter de ma part un paquet de Kinder Bueno, s'il te plaît. Hein, je te rembourserai. C'est pas bête, je dirais que c'est de ta part. Voilà. Franchement. Je vais pas le faire. Un pack de 5. Hein. Un pack de 5, ouais, le gros pack. On a pas été, on a été vache. On a été vache. En même temps, il fallait pas les laisser là en évidence. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Non. Tu mets pas à une régie où il y a du monde qui passe des buenos sans dire ne touchez pas. En évidence. Voilà. En évidence, totalement. Si ça avait été mais ne serait-ce qu'un petit peu caché par une feuille en papier. Oui. C'est quelqu'un qui se le réserve pour lui, faut pas y toucher. Bien sûr. Non, mais là, elle l'a mis en évidence, c'était... C'était parce qu'elle avait écrit « Servez-vous », quoi. Limite. Voilà, exactement. Limite. Ça aurait été pareil. Limite. Et le pire, c'est qu'elle a pas voulu manger le dernier. Ah ouais ? Elle a boudé. Ouais, ça l'a un peu énervé, puis bon, c'est pas grave, c'est passé. Mais je lui en paierai. Ok. Oui. Donc Fanny, voilà, qui a fait un travail formidable, ça n'a pas été évident pour elle parce que il y a eu plein d'imprévus, notamment avec le fait que ça ouvre 1 heure en retard. Donc les balances ont été très très rapides. Il y avait un petit peu de pression au niveau des balances pour le groupe. Alors le groupe CAFCOM faisait aussi les musiques du quiz, puisque il y avait une partie blind test où il fallait reconnaître des musiques interprétées par le groupe. L'année dernière, il y avait qu'un seul musicien, c'était Marco Bartoli, qui était seul à la guitare avec sa petite bande son. Tu vas partir? Oh, la balance. Ah oui, je balance, j'en ai rien à foutre. Bonne nuit, Julien. Oh là là. Je suis en train de mourir, je t'avoue, je suis en train de mourir. C'est une idiote. Alors, du coup, vu que tu m'as balancé, j'en profite, comme ça j'enchaîne et je vous laisse tranquillou.
Juste, je voulais dire, demain, dimanche, bah, ce dimanche, à Pinon, il y a une grosse brocante geek. Avec, ouais, avec plein d'exposants qui sont là et tout. Je sais que. Tu allais dire plein d'escrocs. Darkrai, ça a super bien bossé. Donc, je sais qu'il a, il a pas mal de monde. Donc, voilà. Donc, si je vous invite à aller voir ça si vous êtes dans le coin. Ah, putain, je serais bienvenu. Hein. Mais bon. Ça, je pense que ça. Mais ça va, ouais, pareil. Ça va être bien sympatoche. Ça, c'est dimanche. Et donc, oui, restez. Attentif, donc soit sur ma chaîne, sur le Discord, c'est la meilleure place, le meilleur endroit si vous voulez avoir, être averti pour le lancement de la PGR. Parce que voilà, c'est imminent. Je finis, j'ai encore 2-3 trucs à régler, des petits tests à faire cosmétiques, mais c'est fonctionnel. Donc, normalement, cette semaine, d'ici le week-end prochain, on va dire, c'est en ligne. Donc, voilà, surveillez. Très beaux formulaires qui seront en ligne. Ouais, fait avec amour et voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas. C'est facile à remplir. Que tu peux déjà, Charlie et moi, nous inscrire d'office parce que si on est pressé par le temps et qu'on n'arrive pas à se. On va y arriver, Stéphane. On va se passer le mot. Oui, de toute façon, quand je le mets en ligne, je le mets sur le Discord en premier. Je laisse toujours passer 24 heures entre le moment où je poste sur le Discord et le moment où c'est posté sur les réseaux. Et je tape tout le monde. Donc, normalement, vous le verrez. Voilà. ne vous inquiétez pas. Voilà, donc, en gros, pour tout au chat, je vais rester avec vous certainement sur le téléphone. Je vais vous suivre. Là, je vous avoue, je suis fracasse. C'est un peu pour ça qu'il n'y a pas eu de live les deux semaines passées. Et voilà. Je vous laisse tranquillou. Collecter tout ça, machin. Merci à tous les deux. En gros, Poutou aussi. Et à très bientôt. Et voilà. Je ferme la boutique, ne t'inquiète pas. C'est ça. Et je pense à un truc, Charlie, j'ai pas besoin de t'inscrire à la PGR. Tu fais partie du staff. Donc, oui. J'inscris pas le staff. Ok, non, bah non, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc quand tu fais partie du staff, voilà, j'ai pas besoin de t'inscrire. Bonne soirée, bon week-end. Et à dimanche, je vais commencer peut-être un petit peu plus tôt dimanche, peut-être même dès 19h30. D'accord, alors je serai pas là, je serai chez les beaux-parents. Donc... Bah alors, on sera après sur la nouvelle chaîne à partir de 20h30. Ça marche, bah, bon, je vous retrouverai. Voilà. Tu vas pas me louper. Tchou. Je sais même plus ce que je disais avant qu'il m'interrompe, le sagouin. Le sagouin, il t'emmerde. Rentre chez toi, va dormir. Putain. Sagouin. Bon, je sais plus. Bon, bref. Globalement, il faut dire que ça s'est bien passé. Donc, désolé Fanny pour les bueno, mais je te les rembourserai. Tellement de monde à citer, mais je peux pas citer tous les stands. Tous les stands, c'est impossible. Tous les bénévoles, c'est compliqué. Il y en avait beaucoup, en fait, qui étaient là. Jean-Jacques, Daniel, un autre Daniel hein, qui était là. C'est celui qui m'a calmé quand j'ai perdu les pédales samedi matin. Ah. Ouais, il m'a fait quelques exercices de respiration. Il sentait que j'étais vraiment pas bien. Pas bien. Ah oui. Quoi. Ah oui, j'étais prêt à casser des trucs là. Ah oui. Ah oui, tu n'étais pas hein, quand j'ai vraiment poussé la gueulante. Non. Comment c'est une journée comme ça? Ouais, c'est. Ouais, ça arrive. Qu'est-ce que tu veux? Enfin, ça devrait pas arriver. Mais c'est à un moment donné où quand tu maîtrises plus les éléments, tu ne sais plus quoi faire. Tu es perdu. Tu es perdu, c'est là que tu perds les pédales, quoi. C'est là que tu perds les pédales. Qu'est-ce que j'allais faire? M'asseoir et attendre? Je pouvais pas. J'arrivais pas à trouver de solution. Et le problème, c'est que j'arrivais pas à réfléchir. Alors que c'était la seule chose à faire au final. La seule chose à faire, c'était attendre. Tout en se disant, on va commencer en retard. Et qu'on allait en chier jusqu'à la fin. Effectivement, j'en ai chié jusqu'à la fin. Puisque, évidemment, allez, je vais pas mettre d'huile sur le feu.
Mais il n'y avait personne, et ça, faudra y remédier aussi au prochain festival. Il n'y avait personne pour surveiller les stands pendant la séance de Nicky Larson. On a fait une séance de Ah Nicky Larson de cinéma, donc le bâtiment restait ouvert, oui. mais les exposants étaient partis, puisque le festival vraiment s'arrêtait à 18h. Et à 20h, il y avait la projection de Nicky Larson, le dernier animé. Et en fait, normalement, il devait y avoir quelqu'un pour surveiller. Et Ouais. bien sûr, il n'y avait personne. Ah. Il y avait quand même des objets de valeur. Et je ne parle pas que de ma collection, enfin la collection Suikast Retro Gaming. Il y avait d'autres choses qui coûtaient 500 balles pièce, voire plus. Voilà, des PS5. Il y avait par exemple le Goldorak rétro. Il y avait plein de choses. Bon, tu ne peux pas laisser sans surveillance. Hors de question. Bah, il n'y avait pas de solution. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je reste. Je reste, je reste, je surveille, j'assume. Jusqu'au bout, j'assume. Depuis le matin, voilà, c'est que des imprévus. Et ben voilà, j'y suis. C'est tout. Tout le monde me disait, mais non, tu vas pas rester. Et si je reste pas, qui va le faire? Ben moi, mais toi, tu n'es pas dans leur cas. Tu sais, des fois, il y avait des gens qui me proposaient, moi, si tu veux, je reste. Mais non, t'as pas à rester. T'as pas à rester, c'est moi. Moi, je suis représentant mairie. Je suis à la fois représentant Suikast Retro Gaming. C'était à moi, voilà, j'étais la personne la plus à même de faire la surveillance. Et bien sûr, l'année prochaine, s'il y a des choses de valeur qui sont sur place, tout ça, Oui, il non. faut prendre les devants. Il faut anticiper ça et se dire qu'il n'y aura personne pour surveiller. Donc, il faut trouver un gardien, quelque chose qui se prête au jeu, quoi. Et voilà, on verra. On a le temps, on a un an hein, pour trouver la solution. Hein. Mais on va la trouver. C'est clair. Oui. Mais voilà, bon, après, ça, assumer le festival, je pense que je l'ai fait vraiment jusqu'au bout. Assumer les moindres problèmes, les moindres imprévus. Voilà. Quand il fallait aller chercher les pizzas à géants, plein de trucs. Après, c'est des trucs que j'aurais pu laisser à quelqu'un d'autre, mais voilà, mais je voulais pas. Parce qu'il fallait aller à Pitrère, et c'est moi qui avais les clés de Pitrère, je ne pouvais pas laisser aller n'importe qui là-bas non plus. Enfin voilà, il y avait tout un processus. Il fallait que voilà, je l'ai fait. Mon neveu m'a accompagné pour les courses du samedi matin. C'est vrai que je me suis absenté du festival pendant 1 heure. Bon, ça a roulé. Pendant l'heure où je m'étais absenté, il y avait une conférence, en fait. C'était la conférence du matin que j'ai loupée, mais je sais que tu l'as enregistrée. Oui, j'ai tout enregistré, j'ai tout enregistré, t'inquiète pas. Et après, il y avait, voilà, sur les stands, je savais que ça allait rouler et que chacun allait faire son travail sur les stands. On n'a pas à ne pas avoir confiance aux stands parce que bon, c'est des gens qui sont là pour, voilà, soit pour faire leur blé, soit pour faire la promo de leur show, de leur univers. Les noobs, voilà, j'ai pas besoin de surveiller les noobs. Les noobs sont totalement autonomes. Et je sais qu'ils ont fait le travail. Je sais qu'ils ont fait les dédicaces. Je sais qu'ils ont fait les photos avec les jeunes. Ça c'était cool, c'était cool. J'ai vu beaucoup de photos circuler, donc je sais qu'ils l'ont fait. Je sais qu'ils ont été très très disponibles. Même si, alors moi j'ai un petit regret, c'est pour leur conférence, pour le coup. D'habitude, vous voyez dans les Japan Expo, où tous les Paris Manga, tous les festivals qu'ils font et avec qui je suis très souvent les noobs pour assister à ces conférences, c'est blindé, c'est blindé. Alors, la communauté est certainement moindre, hein, encore ça. Mais je pense que l'info n'a pas bien circulé. À remédier aussi, parce que les noobs, ils me l'ont déjà dit, ils reviennent. Voilà. C'est quasiment acté. Ah ouais. Pour eux, ça a été tellement un bon moment. Ah, mais je vous promets, hein, je peux vous envoyer les messages, des captures d'écran et tout, des messages. Ils reviennent. Enfin, tous ceux qui étaient là ont envie de revenir, en tout cas. Et je Oh, c'est sais cool. qu'il y en a d'autres de l'équipe qui auraient aimé venir, bon, qui n'étaient pas forcément dispo. Donc, on va les retrouver. Moi, j'espère vraiment que si c'est possible, hein, que tous ceux de cette année reviennent l'année prochaine. J'aimerais vraiment que ce soit le cas, quoi. Et ce serait énorme. Ça prouverait, voilà, que voilà, notre sérieux. Et puis la qualité de ce festival, quoi.
malgré le budget limité par rapport à d'autres grands festivals, malgré le fait qu'on ne puisse pas disposer tu vois, de 36 bornes d'arcade, de, voilà, on ne peut pas proposer des machines extraordinaires non plus. Bon, en expo, il y en avait quelques-unes, mais il n'y avait pas des trucs non plus de dingue. Alors, il y avait quand même en expo, je le montre parce que je suis fier, un petit MO5. Ah, ça, c'est le cadeau de Monsieur Dubois. Exactement. Alors, Monsieur Dubois, lui, sa carte de visite, c'est ça. Moi, c'était un saucisson. Lui, c'était un MO5. Donc, vraiment touché par ce cadeau de Philippe. Merci, merci encore. Et voilà, maintenant, il faut lui trouver une alim, il m'a dit. Hein, il marche. Hein. Il est fonctionnel. Moi, je ne vais pas parler beaucoup plus du festival. Moi, je ne vais pas parler du tout, t'inquiète pas, continue. Ouais, parce que je compte en mettre plusieurs couches dimanche, et puis mes collègues aussi. Hein, donc, ça ne sert à rien de trop en dire, parce que je sens que tout le monde faiblit, moi-même. Je travaille à 9h, donc on ne va pas trop... On va pas trop épiloguer. Faut retenir que ça reste une très très bonne expérience, même pour moi, parce que par moment on pouvait se demander, mais Charlie, il va se suicider, il va pas tenir. J'ai tenu, hein, à part ma gueulante du samedi matin. Disons que j'ai tenu le coup. C'est pas des choses faciles à encaisser. On se dit, voilà, mais Charlie, il a bon caractère, ça va passer. Dès le mercredi, on avait déjà marre. Oui. Oui. Et en fait, je pense que la sortie à l'hospital a fait du bien. Alors, pas que pour la forêt le matin, ça t'a un peu apaisé aussi. Et tu vois, ce que je sais plus si c'est à toi que je le disais, mais je crois que c'était à toi. Il disait, tu vois, tous les moments improvisés, ça va être les meilleurs moments. Ouais. Et ça en fait partie, justement. La sortie à l'hospital, c'était pas du tout prévu. C'est un truc, c'est un délire. La veille pour le lendemain, quoi, ça a été organisé. Hein. Et les parents ont joué le jeu. Là, et les sages aussi. Ils sont montés avec leur minibus pour amener les enfants et tout. Et on a tous vécu un moment magique là-haut. Pendant que les plus petits étaient avec Jean-Pascal et vivaient aussi un moment magique sur Scratch. Parce qu'eux aussi, du coup, ont pu s'adonner aux joies du codage. Tu vois, ça, c'est le truc que j'ai pas eu le temps de filmer, par exemple. Ben, on peut pas être partout, et pareil, c'est une chose qui a été un petit peu improvisée, on va dire une semaine avant, hein, l'atelier Scratch, et c'était pas gagné, parce que je n'avais pas la salle à la base. La veille encore, on se disait, où est-ce qu'on va trouver assez d'ordinateurs? Ah là 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 là. C'est là qu'on se rend compte que des fois, j'étais vraiment pas aidé, quoi. C'est-à-dire tous les ordis, on les avait, hein, c'était dans la salle. Mais... on a réussi à voir la salle une après-midi, donc c'est cool. Je reproche rien à personne, ça s'est passé comme ça. Et puis ça a eu lieu. Et puis, je te dis, ça avec le... la salle avec le grand écran. Ouais. Avec le grand écran et les 12 PC. À chaque fois que je passais, il y avait des réunions. En fait, ils étaient en formation toute la semaine. Et malheureusement, c'est une salle prioritaire pour les formations des employés mairie, quoi. Mmh. C'est la salle de formation. D'accord. Voilà, municipale, elle est là. Donc, prioritaire. Donc, atelier Scratch et autres, c'était pas forcément. Ben ouais, après tu peux pas lutter contre les choses, ces éléments. Je ne crache sur personne, je répète encore. C'est comme ça, c'est les règles du jeu. Je m'y suis plié, on s'y est tous pliés, et c'est comme ça qu'on y est arrivé. Parce qu'on aurait poussé une gueulante. Imagine, on pousse une gueulante. C'est là que tu bloques le truc, vraiment. Parce que ça va pas débloquer la situation. Ils vont pas te dire, ah oui, machin, tout ça. Moi, j'ai exposé le problème. Mmh. J'ai demandé si on pouvait récupérer quelques PC. Et c'est là qu'ils ont réfléchi. Ils se sont dit, ouais, mais en fait, on va moins se faire chier si on leur laisse la salle et qu'on travaille avec des ordi perso sur dans un autre espace. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Si j'avais gueulé, tu vois, par exemple,
je pense que quelqu'un aurait dit pour qui tu te prends, ton festival de jeux vidéo, c'est bon quoi, allez geeker ailleurs. Ok. Donc j'ai pas voulu. Voilà, moi je suis toujours dans l'optique d'éviter les conflits avec n'importe qui, avec tous ceux qui gravitent autour de moi. Je suis peace and love, hein. Vraiment. Hein. Donc c'est pour ça que des fois on me trouve un peu mou et que je suis pas assez exigeant, tout ça. Mais c'est voulu, c'est voulu. Je pourrais être une enflure, je pourrais, mais je me dis que pour avancer ensemble, il faut que voilà, il faut faire le dos rond. Je me dis qu'avec le temps, à un moment donné, ils vont se rendre compte de leur erreur et ceux qui ne m'accompagnent pas, hein, ceux qui ne me suivent pas, hein, je dis. Et je me dis qu'à un moment donné, ils vont quand même avancer avec moi, quoi. Parce que, voilà, je ne dis pas que je suis le seul à défendre le numérique dans ma médiathèque, c'est faux. Non, mais ils vont voir que c'était intéressant au final. Ben, en fait, le truc, c'est que là où ça va tout se jouer, c'est le retour des parents avec les enfants, quoi. Mm-hmm. C'est ce que vont dire les parents à tout le monde. Oui, mais quand on aura ce jeu fini, où certains de mes collègues ont mis la main à la pâte, ça c'était beau, que Pierre et Steve aient réussi à intégrer des personnes qui n'étaient pas forcément prévues sur le jeu, quoi. Ils n'étaient pas prévus qui participent au jeu, mais c'était des suggestions de Pierre, il a osé, il est allé demander à mes collègues, tout ça, ils ne voulaient pas participer au jeu. Et voilà, après Pierre, il a une force aussi de séduction, je pense. Il est très avenant. On peut pas résister à Pierre. On peut pas lui dire non à Pierre. Non, puis bon, il est imposant. Mais tu peux pas. Non. Mais il est d'une telle douceur, d'une telle gentillesse. Je l'ai pas vu s'énerver. Non. Rien. C'était dingue. Toujours la banane. Il y a un problème. Il sourit. T'as vu m'énerver aussi ou pas? Ah oui, toi oui. Moi? Oui, tu as dit, oh, j'ai eu mal au dos, je marre, je suis trop filmé. Je rigole. Ah, c'est pas énervé, ça. Ouais, je rigole. Putain. Bravo. M'énerve pas, c'est bon. Excuse-moi, est-ce que tu m'as vu énervé, moi? Non, pas du tout. Non, mais c'est normal, c'est comme ça. Vous voulez la vérité? Vas-y, dis ton ressenti. Tu aurais pu beaucoup plus t'énerver. Il y avait matière. Hein. Voilà. Il y avait matière à devenir fou, hein, quand même. Tu aurais pu exploser beaucoup plus. Mais est-ce que ça aurait rendu service au projet Voilà. Donc, ce qui explique pourquoi je suis mou. Ça, c'est un reproche. Je ne dis pas qu'on me le fait souvent, mais on me dit de prendre les choses en main très souvent. Vas-y, impose-toi. On me le dit souvent, hein. Donc, oh là là, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il n'y a pas à s'énerver, parce que le rétro-gaming, c'est que de l'amour. Il est venu juste pour ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais va te coucher, Yannos, va te coucher. J'ai vu Redfield énerver une fois quand la Amazon lui a envoyé un filtre appareil photo avec le mauvais diamètre. C'était pas beau. Ah ouais. Quoi, pour le film polarisant? T'inquiète pas, ils m'ont déjà envoyé le bon modèle, la bonne version. Bon. Bientôt, tu vas pouvoir faire des films polarisés. C'est exactement ça. C'est le porte-filtre qui n'était pas le bon qui m'a envoyé. Donc, voilà. Donc, on verra bientôt Redfield nous faire de belles vidéos polarisées. C'est cool. Tu vas amener ton matos ou pas, là? Mais les vidéos que j'ai faites, toutes les vidéos que j'ai faites avant, c'était de la merde, quoi. Ouais, grosso modo, c'est ça. Et en Belgique, tu vas pas l'amener quand même, ta caméra. Non. En Belgique, je suis là pour acheter. Je suis pas là pour filmer. Merci. Voilà. Non, puis ça aurait été chiant de te suivre avec ta caméra, putain. Quand tu vois que Ryu Gaming, par exemple, me fait la réflexion, il me dit ah, t'es pas venu avec ta caméra. T'as une belle caméra pourtant. Peut-être que l'année prochaine, je viendrai avec ta caméra. Mais voilà, évidemment, faut voir les conditions.
Voilà. Moi aussi, hein, j'attends de voir comment avec moi. Ça va. Pour la suite. Hein. Moi, je te le dis franchement, il se peut que ce soit la dernière Pixel Days. Ouais, tu m'as dit. Donc, voilà. Ça dépendra de comment ça se passe. Après, il y a l'avantage. Fais brûler ton cosmos, Chevalier Charlie, qu'il est con. Ouais. Ouais. Non, mais. Non, je vais voir comment ça se passe. C'est vrai que c'est une opportunité quand même, la Pixel Days. C'est l'opportunité de voir énormément de YouTubeurs qui font aussi du contenu comme moi. C'est cool. Enfin, de meilleure qualité que moi, bien sûr. Hein, puisque je ne suis pas invité, donc ils font meilleur que moi. Et de voir aussi énormément de boutiques rassemblées au même moment, au même endroit. Moi, c'est inespéré. Mais après, je peux comprendre que pour un Parisien, voilà, ce ne soit pas kiffant plus que ça, outre mesure, le Parisien qui a accès à toutes les boutiques, à des brocantes, à des machins. Oh, voilà. C'est bon, hein. Comment, pas forcément? Bah, tu sais, les prix à Paris, c'est pas non plus. Non, d'accord. Mais. Non, il y a des trucs. Certains n'ont pas envie de se payer le voyage, l'hôtel, ouais, la bouffe, pour juste aller chercher une PlayStation 2, tu vois. Enfin, j'ai une connerie. Ouais. Non, mais regarde tout le monde qu'il y a en Belgique, c'est à mon avis. Ah non, mais je pense qu'il y aura encore plus de monde. Ça, c'est clair, ouais, et net. Ça. Vu comment on a couvert l'événement, je parle de nous, peut-être tous les youtubeurs en fait, hein, qui ont couvert l'événement. Moi, je fais tous les ans, je fais au moins une vidéo sur l'événement. Hein. Alors, oui. Bon, c'est vrai que c'est des vidéos un peu rigolotes, quoi. C'est l'année dernière, j'avais fait semblant de rentrer en fraude. Je faisais semblant, hein, je sais que. C'est de la rigolade, quoi. Putain, arrêtez de prendre tout au premier degré. Bon, les Belges sont quand même des gens qui ont de l'humour, hein, je dis pas. Hein. Oui, bien sûr. Mais bon, il faut comprendre que voilà. Cette année, je trouverais aussi moyen de rentrer sans payer. Et. Non. Le prix n'est pas très cher. Hein. Ouais, c'est pas tant le prix, hein. C'est la forme. C'est le. Voilà. C'est pas le principe qu'il faut rentrer sans payer. Voilà, c'est sur le principe. Ouais. Sur le principe. Non, on déconne, on rigole. Hein. Payez vos billets, hein. Ne soyez pas radins. Ça va bien se passer. Bah oui, il faut encourager la team Harpies, bien sûr. Ouais, bien ouais. Sûr que ce festival doit perdurer, bien sûr. C'est excellent. C'est excellent. Et tous ceux qui ne connaissent pas, je les encourage à connaître et à y aller, à voir et à chiner. Et vous allez voir qu'il y a forcément des choses. Eux, ils sont peut-être plus nombreux dans leur association, mais. Tellement plus de volume et de personnes, de gens à gérer, c'est pas comparable. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. C'est... Mais ce sont des festivals totalement différents. Hein. Totalement. Oui. Moi, oui. Je ne pourrais jamais avoir le 10e des boutiques qu'il y a là-haut. Quoi. Mais non. Impossible. Impossible. Mais personne n'accepte. Même en France, c'est pas possible. Personne n'accepterait de venir jusqu'en Corse. En juste... dans une grande ville de France continentale, quoi. Mmh. À Paris, même à Paris, c'est pas possible de faire ça. Moi, si je viens, c'est pour faire le GR20 sur le dos de Charlie, moi, le pinsuit. Eh ben, écoute, ose venir déjà, et on verra. Moi, je m'engage pas, je m'engage que si tu viens. Moi, franchement, si je peux juste te promettre que si tu viens, tu ne le regretteras pas. C'est tout ce que je peux te promettre. Ça, et franchement, tous ceux qui sont venus, j'en ai invité plein là du continent hein, cette année. Hein. On était plus d'une vingtaine hein, du continent. Personne, franchement, personne ne s'est plaint de l'accueil en Corse. Ah oui. Osez dire quelque chose. On n'oserait pas. On voudrait, on ne saurait pas quoi dire. Ouais, voilà. Hein. Ferme ta gueule. Hein. Voilà. Non, mais nous, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Faut pas croire que les Corses, oui, bien sûr qu'on est toujours un petit peu méfiant, tout ça. Mais si vous venez dans une optique peace and love, cool, ou pour nous rendre service, ou pour
Voilà, faut juste pas nous prendre de haut, c'est tout ce qu'on vous demande. Tout ce qu'on vous demande, c'est de pas nous prendre de haut. Et après, ça passe. Si vous vous mettez au même niveau que nous, c'est bon. Bon, vous êtes accepté tout de suite. Voilà. Nous, on n'est pas... Vous savez, même les stars, on les laisse tranquilles. Hein. Les stars, si on voit une star, bah fais ta star. Alors, lui, on lui saute pas dessus de suite à lui demander un autographe. Il y en a qui le font, hein, parmi les plus jeunes, d'accord. Voilà. Mais... on respecte beaucoup les gens. Faut pas croire. Hein. C'est une légende hein, quand on dit ouais l'accueil des Corses. Les Corses sont méfiants, c'est vrai. Mais voilà, faut juste ouais, s'adapter. Bon, j'ai pas marqué. Bah non, voilà, non, tu as vu. On est normaux, finalement. Oui, vous êtes normaux. Enfin, en même temps, c'est normal. Hein. Un peu fou, mais normaux, quoi. Si tu vois une star corse, arrête, t'es en sueur devant Patrick Fiori. je suis en sueur parce que je me retiens de l'insulter. Ouais, c'est tout. Non, je suis méchant. Je l'insulterai pas. Mais je vais pas me rabaisser à ça. Franchement. Même si, bon, il m'a cassé les couilles plus d'une fois. Bon, bref. On embrasse Patrick Fiori quand même. On essaye d'éviter d'enregistrer un nouvel album. Mais on t'aime bien. Hein. Si vous pouvez t'arrêter, on t'aimerait encore plus. On va arrêter de dire des bêtises. On va aller dormir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, hein. Ouais. Désolé à tous hein, sur le chat voilà, si ça se termine comme ça, brusquement. Mais non. Mais je commence à m'endormir moi aussi. Vous ne voudriez pas que je m'endorme en live, quand même. T'imagines, là, jusqu'à 9h demain matin. Ah ouais, non, là, je peux pas. Ah ouais, un concert de renflement, ça vous dit? Non, merci, non. Je dirais pas qui, mais à l'hôtel, il m'a semblé quand même entendre un petit peu les murs vibrer. De tremblement, de ronflement, je précise. Je m'en doute. Je m'en voilà. doute. Je sais pas qui était derrière. Dans la mais chambre derrière moi. J'aurais pas aimé être dans la même pièce. Mais j'entendais des bruits un peu bizarres, hein, comme un bruit tu vois, un peu sourd. Ouais. Oh, n'empêche, Doug, il était dans une grande chambre. Il y avait 4 places. Et je ne savais pas que dans cet hôtel, il y avait des chambres à 4. Ah oui, c'était une chambre de 4. Il avait une chambre à 4, ouais. Il avait donc le grand lit pour 2 et 2 lits séparés. Grand luxe, monsieur. Avec sa petite terrasse, s'il voulait prendre son petit déjeuner sur la terrasse. Non, je ne vous ai pas mis non plus dans des bouis-bouis, hein. Hein non, franchement, c'était sympa. J'ai juste eu froid la première nuit, mais... Ah oui, tu m'avais expliqué, ouais. Après, j'ai réglé le problème, j'ai trouvé d'où la chaleur sortait. Ça va. Bon, merci Loïc, merci à tous sur le chat, on se tient au jus hein, pour la suite. N'hésitez pas dimanche hein, à venir me rejoindre sur mon live sur ma chaîne, et puis sur la nouvelle chaîne qu'on va lancer ensuite. Lancement officiel dimanche. Avec mes amis de la Corsica Games Week, évidemment, tu es parmi les invités. C'est ta chaîne aussi. Enfin, la nouvelle chaîne, c'est aussi ta chaîne. C'est la chaîne de tout le monde. Non, c'est la chaîne de ceux qui étaient là à la Corsica Games Week. Ah oui, dimanche, oui. Dimanche, oui. Dimanche. Ok. On compte sur vous, comme dirait Gérard Rolls. On compte sur vous. Allez, bonne nuit tout le monde. Les enfants.